Chapitre 37. Nous lisons la parole du Seigneur. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, ils se flétrissent comme le gazon vert.
Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince les dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent. Et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce sa sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur. Ses pas ne chancellent point. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel. Garde sa voix et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit. Car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secoue et les délivre. Il les délivre des méchants et sauve et les sauve parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Amen. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne saurais tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Moi je vis pour lui, oh oui pour lui. Je vis, oh gloire à Dieu. Moi je crois en lui, oh oui en lui. Oh oui, moi j'espère en lui. Oh oui, en lui, alléluia. J'espère, oh gloire à Dieu. Moi je vis pour lui, alléluia. Oh
Nous vivons parce que tu es vivant, notre Père. Nous t'exaltons parce que tu en es digne, mon Seigneur. Que tu sois exalté, que tu sois aimé de tout le cœur, mon Père. Et ce soir, ce matin, bien-aimé Père Saint, nous sommes vraiment très heureux, Père, de pouvoir être dans ta maison, mon bien-aimé Père Saint, Dieu, de pouvoir chanter le chant de Sion, glorifier ce Dieu qui fait de merveilles dans notre vie, Père. Tu es vraiment un Père pour chacun de nous, Père Saint, Dieu. Un conducteur véritable, mon bien-aimé Père Saint, Dieu. Un guide réel, mon Seigneur. Celui qui montre le chemin, celui qui montre la voie pour pouvoir suivre, Père, c'est toi. Tu nous donnes vraiment, Père, tu buisson aussi de merveilles dans notre vie. Merci encore pour ce que tu fais, Seigneur. Oh Dieu, la joie de pouvoir réellement être ici pour partager ces moments avec ton peuple, Père. Nous nous réjouissons de cette grâce, mon Père. Après avoir chanté les chants des Sion, mon bien-aimé Père Tibissant, nous implorons ta grâce, mon roi, que tu puisses encourager encore parmi nous, Père. Nous t'avons présenté les requêtes, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, tu connais chacun de nous en cet endroit. Tu vois chaque cœur, bien-aimé Père Tibissant, la requête qui est sur le cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Seigneur, tu es le Dieu qui répond les prières, mon Seigneur. Nous croyons en toi, mon Père Saint-Dieu. Tu n'as jamais changé et tu ne changeras jamais, Père. Merci encore pour les chants et les cantiques que nous avons chantés, Père Dieu, par ta grâce. Merci aussi, Père Saint-Dieu, de ce que tu nous inspires encore, mon Sauveur. Si tu ne le fais pas, qui pourra le faire, notre Dieu? Parce que qui pourrons-nous adorer, mon bien-aimé Père Saint? Ce n'est que toi, mon Seigneur. Tu connais nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh, travaille encore davantage nos cœurs, mon bien-aimé Père, pour que nous puissions te rendre ce que toi tu veux, bien-aimé Père Tibissant. Oui, Père, tu attends de chacun de nous ce que toi tu as donné, Seigneur. Louange et honneur à toi, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour chaque frère et chaque sœur en ces lieux et ceux qui sont aussi en connexion à différents endroits où ils sont, Père Saint-Dieu. Béni sois-tu encore pour cette matinée, Seigneur. Oh, combien nous sommes toujours heureux quand nous pouvons nous rassembler, Père Saint-Dieu, en voyant nos frères et sœurs qui ont quitté leur pays lointain, Seigneur, venant se retrouver en cet endroit pour que nous puissions avoir la communion autour de ta parole. Nous réalisons que vraiment, Dieu, tu es vivant, Père. Merci pour cet amour que tu nous as témoigné, Père Saint-Dieu. Merci encore pour la consolation, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu as guéri, tu nous as donné des bébés, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous sommes heureux, mon bien-aimé Père Tibissant. Et nous te disons encore merci pour ta bonté. Merci encore pour tes compassions. Merci encore pour tes consolations, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Merci pour le psaume, Seigneur Jésus, c'est vrai. Tu nous parles encore aujourd'hui. Tu nous montres réellement que la voie que nous devons suivre et comment nous devons agir devant toutes ces circonstances, mon Sauveur. Mais tu es celui qui nous guide encore davantage. Garde-nous, Père Saint-Dieu, et aide-nous encore vraiment nous conformer certainement à ta volonté, à toi, Père. Sois béni et sois glorifié, Père, quand nous t'avons ainsi prié au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Amen. Qu'il bénisse chacun de vous. Nous sommes dans la joie d'être dans sa maison. Amen. Et soyez tous bienvenus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous remercions notre Dieu et nous ne cessons jamais de le remercier assez pour la grâce que nous avons de voir le soleil qui s'est levé et de voir aussi les souffles de vie et surtout de se retrouver effectivement dans sa maison pour les louer, les glorifier et surtout l'adorer aussi. Et avec beaucoup de reconnaissance pour sa bonté et son amour à notre endroit. Il est dit qu'effectivement que les vivants, ce sont ceux-là qui louent l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes de ceux-là qui louons l'Éternel avec beaucoup de reconnaissance et nous réalisons aussi le pourquoi nous le louons, parce qu'il est toujours bon pour nous. Dans toutes circonstances, effectivement, le Seigneur, notre Dieu, est toujours bon. Dans les situations les plus difficiles, dans les situations les plus agréables, les meilleures, et aussi les difficultés aussi, il est toujours bon pour nous. Et nous le remercions pour toutes choses, effectivement aussi pour ce qu'il fait dans notre vie. Il nous a donné la grâce et la joie d'avoir un bébé dans la famille de notre frère Daouda. C'est merveilleux. Notre frère Zaché et notre sœur Tryphonie sont devenus des grands-parents. Mais c'est merveilleux parce qu'ils sont aussi, c'est cette fois, je pense, quelque chose comme ça. C'est une bénédiction. Dieu soit béni. Dieu nous aime parce qu'il nous donne chaque fois qu'un bébé qui vient, moi je dis toujours, c'est une amie qui s'approche. Et c'est la grâce que Dieu nous accorde. De pouvoir voir aussi la joie. Parce que vous voyez comment ces enfants, en grandissant, en connaissant le Seigneur, ils sont là aujourd'hui en train de pouvoir chanter la gloire de Dieu. Ils ont grandi dans les choses qui concernent le Seigneur. Nous devons vraiment remercier Dieu pour tout ce qu'il fait.
Nous voulons aussi remercier le Seigneur pour le soutien qu'il a aussi apporté à notre sœur Dorothée. Et là, il a pu enterrer son papa. Et cela s'est passé dans de bonnes conditions. Et elle remercie aussi le Seigneur pour ce qu'il a fait pour lui aussi. Parce qu'avant que, je l'avais dit ici, que son papa ne puisse partir, Dieu lui avait donné cette occasion que les choses soient mises en ordre. Et elle remercie aussi chaque frère et chaque sœur pour l'assistance que vous lui avez apportée, en la visitant aussi à la maison dans ces moments difficiles, et aussi votre contribution aussi, chacun de vous, chaque centime, chaque petite chose que vous avez fait pour notre sœur, elle vous remercie, elle est reconnaissante à cela aussi, et pour aussi vos prières aussi dans ce moment difficile. Que le Seigneur, notre Dieu, vous récompense pour cela aussi. Nous, j'ai entendu, parce que dans la prière, que notre sœur Jackie est retournée. Donc je pense qu'elle est là. Nous remercions notre Dieu. Elle est où? Je ne la vois pas. Ah oui, que Dieu te bénisse. Nous sommes heureux de pouvoir réellement la revoir. Les circonstances de son voyage n'étaient pas faciles, mais elle avait besoin du secours de l'Éternel. Et comme nous la voyons qu'elle est revenue, c'est que le Seigneur a agi. Et le Seigneur l'a secouru certainement aussi. Nous remercions Dieu, notre Sauveur, pour chacun de vous. Et c'est vrai que nous ne savons pas ce qui peut se passer dans la semaine ou dans la journée, mais nous savons que quand Dieu nous permet de pouvoir réellement nous retrouver, nous devons saisir cette occasion aussi pour pouvoir le remercier. Et c'est pour ça aussi que nous remercions Dieu pour cette grâce qu'il nous donne d'avoir la communion fraternelle, de pouvoir soupirer à pouvoir nous retrouver ensemble, et surtout aussi autour de la parole de notre Dieu. Et je remercie Dieu aussi pour tous les frères et sœurs qui sont aussi en connexion et qui sont dans différents pays, effectivement aussi, que vous connaissez les âmes par le nom, d'une certaine manière, de d'autres, de face, effectivement. Mais il y en a beaucoup, effectivement, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore vu, mais qui sont aussi vos frères et sœurs aussi, et qui sont aussi en connexion et qui suivent aussi ces réunions. J'ai reçu effectivement aussi des appels et aussi de cœurs qui bouillonnent en fait à l'intérieur. La plupart, que ce soit à l'étranger, que ce soit ici aussi, pour tous les frères et sœurs qui écoutent la parole de Dieu en ces lieux, qui sont reconnaissants au Seigneur, mais qui se posent aussi la question de pouvoir voir effectivement la situation en réalité, comment elle se présente. Et je pense qu'il nous est nécessaire de pouvoir considérer les choses avec beaucoup de respect, en fait, en l'égard du Seigneur. Nous entrons dans une phase tout à fait extraordinaire, qui demande effectivement l'attention de chacun de nous. Je pense que vous avez eu à pouvoir aussi, dans le temps, vous étiez toujours à l'Assemblée, et vous écoutiez la parole. Mais à cause des habitudes, effectivement, qui se sont installées, vous avez perdu, en fait, le sérieux dans l'écoute, en fait, de la parole. Nous sommes dans une période tout à fait particulière. Et vous allez remarquer que si réellement vous ne vous accrochez pas, vous n'allez pas suivre, en fait. Et ça va être très difficile. Et surtout, il faut éviter que vous ayez dans vos pensées, en fait, des idées préconçues d'avance. De je sais, de si. Quand vous êtes comme ça, vous n'arriverez pas à pouvoir saisir les choses de Dieu. Alors, il nous est nécessaire de pouvoir implorer la grâce du Seigneur pour qu'il nous donne maintenant une attention très soutenue, en fait. Qu'il nous ouvre aussi le cœur et l'esprit aussi, comme la Bible l'a dit, afin que nous puissions comprendre donc les Écritures. C'est absolument nécessaire. C'est un conseil que je vous donne, en tant aussi que votre frère aussi, en Christ aussi. Nous étions partis donc à Krefeld, donc j'étais invité donc par les frères, et il avait à cœur. Et le Seigneur a fait vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Et ça, c'est tout à fait particulier. Jusque hier, il me parlait encore, il dit, et tous les frères, la plupart de tous ceux qui étaient là, continuent à parler de
cette expérience, ce sermon et la parole que nous avons entendue. Ça a travaillé et tout le monde était dans les larmes. Effectivement, il dit, c'est pendant tout ce jour ici, cela ne faisait que revenir parce que Dieu a travaillé l'intérieur. Nous réalisons qu'effectivement, que la manière dont le Seigneur nous fait avancer maintenant, il faut que nous puissions nous-mêmes se prendre au chat dans le sens que nous prenons en considération que nous ne devons pas être distraits. Il faut que nous abandonnions dans notre pensée, esprit, comme quoi que pour moi c'est fait, je suis fils ou fille de Dieu, je veux aller, parce que vous serez surpris. Puis, il faut que nous abandonnions aussi dans nos pensées que je connais, c'est comme cela que c'est toujours, parce que nous serons toujours surpris. Nous apprendrons toujours de l'Éternel, notre Dieu, parce qu'il est souverain. Je vous l'ai dit, moi, que depuis que je suis rentré de l'île Maurice, je crois que je l'ai dit au frère, on te dit, les choses ont beaucoup changé. Alors pour moi, c'est une autre phase. Peut-être que beaucoup de gens continuent les train-train de la chose, mais je prie Dieu qu'il nous aide. C'est pour ça que je vous invite, vous, de pouvoir revenir véritablement dans les choses de Dieu. Nous avons un Dieu qui est plus que capable dans tous les domaines, en fait. Mais il a une sagesse extraordinaire d'agir avec l'un ou l'autre parce qu'il a toujours un but à pouvoir atteindre avec tout un chacun. L'appel que Dieu adresse et a adressé à chacun ne sera jamais l'appel d'un groupe, en fait. C'est toujours individuellement que Dieu appelle tout un chacun. Jamais un groupe. C'est un individu, en fait. Et c'est comme cela que nous devons, chaque fois que nous nous approchons, que Dieu nous invite à pouvoir nous approcher, on ne doit pas regarder ce que pense le voisin, ou la voisine, ou le frère, ou la sœur. Considère-toi simplement en face de l'Éternel. Ne perdez pas votre temps à pouvoir vouloir faire en sorte que l'autre puisse voir que vous êtes. Ce n'est pas du tout nécessaire. Ce dont nous avons besoin, c'est de pouvoir maintenant nous tenir en présence du Seigneur, lui seul. Seigneur, c'est moi que je voudrais que tu me juges. Sonde-moi, Éternel. Pas connais le cœur de mon frère, connais le cœur de ma sœur. Connais mon cœur. Mon cœur. C'est vraiment un temps, parce que c'est vrai, le Seigneur notre Dieu revient vraiment bientôt. Nous prions que nos enfants, que nous avons la grâce et la joie d'avoir avec nous ici, puissent aussi à expérimenter les choses de Dieu. Parce que ce que nous voulons, c'est que nous partons aussi avec eux. C'est pour ça que si vous aimez les vôtres, même à la maison, votre attitude, votre façon de pouvoir faire, doit toujours faire ce que vous puissiez les pousser et les garder, les pousser en avant, vraiment pour qu'ils puissent davantage être dans les choses qui concernent Dieu. Oui, que Dieu nous aide dans cela aussi, que nous devons changer dans notre façon de pouvoir voir les choses. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, mais il est vraiment extraordinairement merveilleux dans sa façon de faire les choses. Nous n'avons plus beaucoup, en fait, je pense que cette considération à l'endroit de Dieu et la crainte de Dieu, effectivement, dans notre cœur, dans notre pensée, parce que nous n'avons pas regardé les choses de Dieu de la bonne manière. Nous sommes façonnés une façon de pouvoir voir, une façon de pouvoir faire, une façon de pouvoir agir, effectivement. Et en imaginant dans cette façon-là, nous nous sommes mis dans un sorte de verre comme ça, un bloc nous-mêmes. Et nous pensons que c'est comme ça que nous devons, je dois faire effectivement ainsi. Mais on ne sait pas toujours pas poser la question de pouvoir savoir si vraiment ce que moi je fais,
répond vraiment à ce que Dieu attend de moi. C'est parce que nous nous regardons toujours nous-mêmes et nous sommes égoïstes en fait. Oui, oui, oui. Et nous ne nous posons pas la question de pouvoir savoir qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis là, mais pourquoi est-ce que je vis et pourquoi Dieu m'a sauvé. Quel est le but de mon salut en fait? C'est toutes ces questions-là, mon frère et ma sœur, quand on le pose et que nous avons la réponse effectivement dans les saintes écritures, que nous nous comparons avec cela, sûr et certain, notre marche serait tellement différente. Je prie Dieu que le Seigneur m'aide, qu'il nous aide aussi à ce que nous puissions être. Je prie pour que ce que vous entendez puisse réveiller quelque chose en vous. Que les habitudes puissent arriver à pouvoir cesser, parce que les choses ne seront pas toujours, soyez-en sûrs et certains, les choses ne seront plus toujours comme les mêmes. Soit vous vous accrochez, vous avancez, soit vous restez toujours statique et vous êtes dans votre zone. Dans le livre des Hébreux, nous le reprenons, au chapitre 1. Hébreux, donc, au chapitre 1, nous lirons à partir du verset, verset 1, oui. Vous savez, beaucoup de frères et sœurs nous suivent de par le monde et quand nous sommes entrés dans cette phase ici, il y a eu beaucoup de questionnements qui se sont donc élevés dans le cœur des uns comme des autres. Et je remercie Dieu qui veille véritablement sur sa parole et qui dans ces temps aussi continue à pouvoir nous parler, de nous accorder et de nous aider effectivement pour que les choses qu'il nous donne soient encore beaucoup plus claires effectivement pour celui qui a le cœur concerné effectivement et touché par cela aussi. Dans les Hébreux au chapitre 1, verset 1, il dit, « Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant donc le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait donc la purification de nos péchés et s'est assis donc à la droite de la majesté divine dans le lieu très haut hein, et devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent hein, que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils ». Et lorsqu'il introduit donc de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Amen. Amen. Notre Père Céleste, notre Dieu, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je me tiens devant ton trône de grâce pour te remercier effectivement de cette grâce que tu nous accordes, Père, de pouvoir apprendre les saintes écritures. Nous réalisons que c'est toi qui es l'auteur de cette parole. Et aussi, c'est toi aussi qui en a aussi l'interprétation, mon bénévole Père Tout-Puissant Dieu, la clarté, la lumière pour cela aussi, Père Saint-Dieu, parce que si tu en as donné ainsi ce que tu connaissais effectivement, c'est pourquoi tu l'avais donné, et nous t'en sommes vraiment reconnaissants pour tes décisions qui sont toujours souveraines. Pardonne-moi, Père, je te demande grâce encore, éclaire-nous encore, et ton peuple, non seulement ici, mais partout, dans différents endroits, va le recevoir, comme nous tous, Père Dieu, avoir effectivement, Père Saint-Dieu, les choses d'une manière claire et précise, afin que nous puissions te servir avec beaucoup d'assurance dans notre marche, Père. C'est vrai que les habitudes se sont installées et les choses charnelles sont beaucoup remontées, revenues encore davantage. Et, oh Dieu, nos cœurs et nos pensées, tous sont tournés toujours dans les choses qui ne sont pas conformes. Mais nous t'implorons la grâce, mon bénémoine, Père Dieu, que nous soyons ramenés dans la position que toi, tu veux que nous soyons, pour laquelle tu nous as aussi appelés. Oh, Dieu du ciel, nous nous souvenons de ce que la Bible nous fait savoir. Ta parole à toi, au reste, frère, c'est qui tout ce qui est pur et agréable, ainsi de suite, soit l'objet de vos pensées. Merci, Père, et nous te remercions encore. Ramène-nous, Père, à la position que tu veux que nous soyons, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir.
Que le Seigneur bénisse mon frère Philippe et ma sœur Lily qui sont venus, et ainsi que leurs enfants aussi et tous ceux qui sont venus de loin comme de près. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et vous soutienne. Alors, dans cette écriture des Hébreux que nous avons commencé à pouvoir lire, nous avons réalisé, c'est ce que la Bible nous a fait ressortir effectivement, que dans le plan de Dieu, effectivement, la façon dont Dieu a eu à pouvoir avoir son plan, parce que quand nous regardons dans les Saintes Écritures, nous sommes touchés par la précision que donnent les Saintes Écritures, la façon de pouvoir considérer et voir effectivement Dieu dans son œuvre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'effectivement que la Bible nous fait savoir que tous ceux dont les noms ont été écrits dans les livres de vie de l'agneau, c'est-à-dire le livre de vie de l'agneau, effectivement, et vous connaissez cela, et ce sont ceux-là qui n'adoreront pas la bête, effectivement, hein, et qui ne vont pas recevoir aussi la marque de la bête. Vous connaissez cela, non? Ce qui dont le nom sont inscrits dans les livres de vie de l'agneau, hein, c'est ça, non? Ceux-là, leur nom, je crois que, peut-être que je cite, mais parfois, bon, faut que tu puisses le lire, hein, c'est dans Apocalypse au chapitre 13, je pense. Ouais, c'est ça, je suis souris, c'est bon, c'est ça, oui. Alors, verset 7, oui. Et il lui fit donner donc de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fit donner aussi autorité, il s'agit effectivement de la dernière bête, hein, souvenez. Et il lui fit donner de faire... Bon, j'ai toujours répété ici, parce que souvent peut-être beaucoup ne comprennent pas. Quand on dit ici, la Bible dit que... Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Vous connaissez ce que c'est? Est-ce que vous comprenez? De quel saint on parle? Voilà. Bon, je vais seulement faire une assertion dessus. C'est là qu'on voit que Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux dans sa façon de faire les choses. Les saints dont on parle ici, on dit bien, il s'agit en fait du peuple d'Israël. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc vous comprendrez bien que pour les saints du Nouveau Testament, ce n'est pas possible. Alléluia. Et ça ne pourra pas se faire. Alléluia. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Nous allons avancer, vous verrez la différence. Mais ce que vous devez retenir, c'est cela. C'est qu'ici, ce n'est pas l'épouse. Ça finit parce que, bien sûr, que ça ne peut pas être l'épouse, ça ne peut pas être l'Église. C'est bien le peuple d'Israël. Dans Daniel, je pourrais vous le montrer, si nous avons, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et si Dieu le permet, je sais aussi que j'ai reçu aussi, hein, aussi des demandes aussi pour que, je crois que, notre frère de Bénin, je pense, son nom, frère Justin, je pense qu'il m'écoute probablement, peut-être qu'il écoutera plus tard, il avait les désirs que je lui explique effectivement. Et quand quelqu'un m'écrit que je ne réponds pas, faut pas vous inquiéter. Faut pas du tout vous inquiéter. Dites pas, oui, le frère a oublié, il s'occupe pas de moi, ne faites jamais ça. Non, 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 non. Le Dieu que je me sers me rappelle toujours. Au temps et au moment voulu. C'est pas que quand vous écrivez directement, je dois arriver. Non, je comprends les frères, ils ont ces désirs vraiment pressants. Mais moi ici, j'obéis à Dieu. Ça peut prendre un mois, une semaine ou deux semaines, ou ça peut prendre, je réponds directement. Mais quand il s'agit que ce sont des choses qui sont très importantes dans les Saintes Écritures, ben, le Seigneur me donnera quand même le temps pour pouvoir y voir. Donc, c'est-à-dire que ne vous inquiétez jamais quand vous posez une question. Soit dans la prédication, ou soit le Seigneur voudrait que je puisse prendre la prédication et continuer, ou soit je peux pas vous répondre individuellement parce que d'autres ont aussi la même question qui se pose. Alors faut pas vous inquiéter, les frères ne me répondent pas, les frères. Non, non, non. Vous simplement priez.
Le Seigneur, notre Dieu, est celui qui a le contrôle sur toutes choses. Alors, ici donc, nous lisons, dit donc, verset 8, il dit, et tous les habitants, donc, après c'est 13 verset 8, il dit, et tous les habitants de la terre l'adoreront, donc, écoutez bien, ceux dont le nom n'a pas été écrit. Quand ça? Où c'est? Et après suite, qu'est-ce qu'il dit qui? Donc vous comprenez, c'est ce que je voulais que vous puissiez comprendre. Ce que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et le choix de Dieu avait déjà été fait. Ça veut dire que avant que le toile ne puisse apparaître, avant même que les cieux ne puissent apparaître, avant même que les anges soient créés, avant même que la terre même soit créée, oui monsieur, oui madame, les plans de Dieu s'étaient déjà déroulés sous ses yeux. C'est pour ça, nous devons, parce que là maintenant, il nous déploie son plan. C'est pour ça que la parole de Dieu est digne de confiance. Il est impossible, alors je le répète bien, impossible que la parole de Dieu échoue. Amen. Amen. C'est cela la chose qui est aussi importante et grâce que Dieu nous a accordée de réaliser cela, mon frère et ma soeur, pour que nous puissions comprendre que ce que Dieu veut nous montrer, effectivement, dans lequel il veut aussi nous placer, nous devons en prendre connaissance et surtout aussi être positionnés parce que nous sommes sûrs et certains que ce qu'il a dit, que si nous sommes comme ça, que ça va se produire, ça se produira certainement. Parce que pour Dieu lui-même, la Bible a été déjà fini. En fait, nous sommes en train de pouvoir jouer un rôle. Mais c'est pour ça qu'il est Dieu. S'il n'avait pas le contrôle de ces choses ici, mais les diables feraient tout ce qu'ils voulaient. Mais Dieu a déjà mis les limites partout. Donc, personne ne peut faire ce que lui veut. C'est-à-dire que tout est, d'abord, quand l'être est créé, donc il a des limites auxquelles Dieu l'a placé. C'est-à-dire que il ne peut pas faire, même si tu veux. C'est impossible. Donc, l'écriture ici que nous avons avec vous, que nous lisons ici, ne peut pas échouer. Frère, c'est pour ça, ne vous inquiétez de rien. C'est quand vous sautez des écritures, vous entrez dans un autre volume, alors à ce moment-là, les choses qui sont écrites pour toi, là, ça va arriver, parce que voici la malédiction, voici aussi la bénédiction. Vous comprenez, Dieu est sage, hein? Je le mets devant toi. Si tu choisis ça, voilà ce qui va se passer, ainsi de suite. Mais si tu dis pas, oh, Dieu m'a fait, non, le malheur ne vient pas de l'Éternel. Non, toi tu es ici, il te dit, voici les plans. Et j'ai ordonné que de ce côté-ci, quand tu fais ça, voici ce qui va arriver. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici ce qui va arriver. Mais quand tu désobéiras, ne dis pas, oh Dieu, c'est non, c'est voici ce qui va t'arriver aussi. Donc fais ton choix. Donc ce qui veut dire que nous devons être conscients que quand le Seigneur, notre Dieu, dit une chose, effectivement, et qu'il nous montre effectivement la chose, c'est parce que lui déjà, il connaissait cela. Alors le plan de Sainte Écriture, le plan effectivement pour l'humanité, Dieu l'avait déjà. Avant même qu'effectivement que le monde soit déployé. Que vous voyez l'eau, ce qui va effectivement dans l'eau. Donc tout ceci, Dieu l'a vu déjà fait défiler donc devant lui, effectivement. C'est pour ça qu'il dit que je suis l'alpha et aussi l'oméga. Je voudrais que cela soit compris. Parce que quand vous dites l'alpha et l'oméga, vous comprenez quoi? Parce que c'est lui qui commence, c'est aussi lui qui achève. Donc il a donné le départ, il dit, mais ça va s'arrêter ici. Ça ne peut pas dépasser. C'est là. Donc c'est comme ça que lui, il a le contrôle de toutes choses.
Donc, comme l'Écriture ne le fait donc pas, effectivement, c'est parce que dans le plan de Dieu, Dieu avait regardé effectivement comment les choses devaient se passer. Et ces choses devaient se passer selon sa propre volonté. Et comme c'est sa volonté à lui, il ne va pas en fait obliger quelqu'un de pouvoir l'accomplir. Non. Mais c'est la personne effectivement qui est dans le plan de Dieu qui lui-même se sentirait effectivement puisqu'il est dans ce plan. Il doit accomplir le rôle, agir selon ce rôle-là. Parce que posez-vous la question de pouvoir d'abord savoir, mon frère et ma sœur, pourquoi les autres n'ont pas eu à pouvoir avoir les désirs de croire au Seigneur comme vous, vous croyez? Et pourtant que vous êtes tous pareils, nous sommes tous pareils. Nous nous asseyons par exemple ici dans cette assemblée et d'autres qui sont en connexion, nous écoutons la même parole. Alors, pourquoi alors les uns qui écoutent et ça produit quelque chose qui leur ramène encore profondément dans les choses qui sont des dieux et les autres, vous le regardez, ils continuent dans l'air train-train. Et pourtant, ils battent les mains avec vous. Et pourtant, ils élèvent les mains avec vous. Et pourtant, ils prient Dieu avec vous. Ils chantent bien avec vous. Mais en fait, il n'y a pas ce changement qui se déclenche dans la personne. Ils écoutent, c'est comme s'ils n'écoutaient pas. Pourquoi cela, effectivement? Parce que, voyez-vous que c'est comme le mécanique, en fait. Alors, il y a, tu vois, les pièces doivent s'emboîter, effectivement. Chaque pièce doit s'emboîter pour que le mécanisme puisse fonctionner bien. Alors, la pièce a été construite, effectivement, fabriquée pour que s'emboîte là. Donc, toi, tu es cette pièce-là. Les autres, là, ne sont pas des pièces parce que ils sont des pièces d'une autre forme. Mais pour cet endroit-là, tu es la pièce qui rentre et puis, paf, ça continue le mécanisme. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand la parole de Dieu, vous l'entendez, vous, vous vous sentez concerné, votre cœur est vraiment touché au plus profond de soi-même, et vous ne vous sentez pas obligé de vous conformer. Non, parce que là, le grand danger, c'est si effectivement, mon frère, ma soeur, c'est les habitudes. Quand les habitudes s'installent, frère, vous êtes écarté. Parce que vous n'êtes plus dans le rouage, effectivement. Non, monsieur, parce que quand vous êtes dans le rouage, effectivement, les choses avancent avec. Mais sinon, quand vous êtes, les habitudes s'installent, il y a toujours des ratés dans le moteur. Attends, ça tourne en l'air, effectivement. En fait, tu es la pièce qui fait les ratages, là. Il faut que la pièce s'emboîte, effectivement. C'est important, mon frère. Et que maintenant, ça avance. Comment cela, les autres aussi vont avancer. Donc, c'est-à-dire que la pièce, le moteur avance, effectivement, et la voiture avance. Mais sinon, c'est toujours des ratés. Donc, chacun de nous, effectivement, aussi, il faut qu'il puisse arriver à pouvoir se poser la question, mais pourquoi est-ce que cela est ainsi avec moi? Est-ce que vous comprenez? Alors, quand vous vous posez cette question, effectivement, vous sentez qu'effectivement, que vous voyez que c'est comme si quelque chose qui vous pousse simplement à l'intérieur de vous, quelque chose vous convainc de pouvoir réellement s'adapter et se conformer à la chose. Sans que on vienne vous dire, mais mon frère quand même, mes soeurs quand même, c'est pas possible que tu fasses comme ceci, pas possible. Non. Parce que toi, déjà, dans ton intérieur, vous savez, vous posez des actes, effectivement, par ignorance. Mais quand on a la connaissance maintenant de la chose, tu dis, oh Seigneur, merci que tu m'as appris ça. Maintenant, c'est comme cela. Pardon, par exemple, je donne un exemple, c'est tout à fait un exemple simple. Pantalon pour femme. Toutes les sœurs ici ont toujours porté les pantalons. Je vais dire là, avant que vous soyez sœurs en Christ. Avant d'être sœurs en Christ. Mais quand vous êtes devenues sœurs en Christ, vous avez entendu, parce qu'avant vous étiez ignorantes, vous avez entendu qu'effectivement, que dans les scènes d'écriture, on a dit que c'est la femme qui porte un habillement d'homme est une abomination à l'Éternel. Alors peut-être que les sœurs qui étaient sœurs dans cette église-là ont entendu cela, alors qu'elles mettaient des pantalons, puis ont commencé à se poser la question, mais bon, mais moi, depuis mon enfance, jusque maintenant, quand même, on a toujours porté des pantalons. Et puis bon, puisque ils viennent dans ces groupes-là, rassemblements-là, où ils sont, effectivement, et ils voient que les autres sont en jupe, et alors il va dire, bon, pour ne pas choquer. Ben oui, pour ne pas choquer. Ah ben, je porte quand même une jupe. Mais je ne suis pas convaincu. Ça, c'est la pièce qui n'est pas
dans le mécanisme. Pour ne pas choquer, quand même je ne le fais pas. Mais je ne suis pas convaincu, et ça, ce n'est pas convaincu. Et il va être là, jupe comme toutes les jupes, effectivement, avec les sœurs, effectivement, ainsi. Mais quand il va sortir à l'extérieur, dans quelque part qu'il va être, effectivement, les pantalons vont avoir les dessus. Mais pourquoi toi, quand tu as entendu que ça, c'est une abomination, effectivement, hein, pour Dieu, au plus profond de toi-même, tu as commencé à pouvoir avoir des remords. Tu as commencé à pouvoir regretter, Seigneur mon Dieu, oh pardonne-moi, je savais vraiment pas, je savais vraiment pas ça, ça. Vraiment, quand je rentre chez moi à la maison, quand je rentre chez moi à la maison, je vais regarder partout, là où il y a le pantalon, là, non, 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 non. En fait, vous ne le faites pas parce que quelqu'un vous a obligé. Ou parce que vous voulez apparaître, effectivement, mais dans votre intérieur à vous. Vous vous sentez donc convaincu, convaincu par qui? Mais par la parole que vous avez entendue. Amen. Et quand vous venez, effectivement, la semaine suivante dans l'assemblée, on va voir le changement. Parce que ce qui vous a poussé à enlever les pantalons a changé aussi votre nature. Parce que quand vous mettez le pantalon, vous avez la nature masculine. Ah ben vous vous rendez pas compte? Vous direz, frère, c'est pas vrai. Bon, je vais juste, je reviens, nous sommes dans les Hébreux, hein. Je reviens sur quelque chose, dans l'histoire. Même ici, en Belgique, dans les années 50, on trouvait une femme qui portait un pantalon, on l'arrêtait. Et une femme qui portait un pantalon ici, on disait qu'elle est folle. Et là, quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi est-ce que les femmes ont voulu porter des pantalons? Parce que je vous dis, c'est du masculin. Parce qu'ils voulaient être égales à l'homme. Donc, ils voulaient aussi montrer que toi, tu as un pantalon. Moi aussi, je veux mettre un pantalon. Et toi, tu es un homme. Je te montrerai aussi que je suis comme un homme. Non, mais c'est sérieux. C'est pas pour vous faire rire. C'est bon, non, non. Mais c'est comme cela. C'est la révolution. Ce que toi tu fais, moi je peux le faire aussi. Mais alors que Dieu, quand il t'a créé, il a eu des capacités. C'est sûr et certain. La femme a ses capacités. Mais maintenant, non, aujourd'hui, si je te parle comme ça, me dis, mais tu es un malade, monsieur. Hein, tu es vraiment un malade de pouvoir parler comme ça aux gens. Non, 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 non. Mais frère, quand même, morphologiquement. Ça, c'est pas une discrimination. Morphologiquement. Je ne vais pas faire des dessins. Je ne vais pas faire des dessins, vous connaissez, morphologiquement. La femme a sa part et l'homme a sa part. Donc c'est quelque chose que, visuellement, ça se voit d'une certaine manière. Donc, alors ce qui dit que, parce que vous l'avez, et quand vous l'avez mis, effectivement, eh ben vous, parce que bon, on vous voit avec pantalon, hein, et puis après, on vous voit aussi avec veste. Ah, vous n'avez jamais vu. Maintenant, parce qu'ils vous mettent aussi une petite chemise avec une cravate. Je n'ai jamais vu des femmes porter des vestes et cravates. J'ai toujours vu que ce sont des hommes, parce que c'est comme ça qu'ils travaillent. Parce que je me trompe. Non, mais ça a toujours été comme ça. Parce que femme, c'est toujours la robe. Femme, ce sont des jupes. Bon, il y a toujours... Ce que vous portez, des cravates, chemise avec cravate chez vous. Hein, sœur, vous avez des petits costumes avec des chemises et puis des cravates là, vous portez. Possible, hein. Mais si vous faites ça, il ne faut plus le faire. Ben, je ne suis pas couturier, mais si vous faites ça, il ne faut plus le faire. C'est trop masculin. Vos blouses sont jolies, là. Donc, alors, on verra que si cette sœur-là est convaincue par Dieu, sa façon de réagir, d'abandonner les pantalons, vous verrez même que l'esprit masculin qui était sur son visage a disparu. Mais l'esprit féminin revient. Parce qu'en fait, c'est la soumission à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, nous venons de pouvoir lire dans les Saintes Écritures, on nous fait savoir que autrefois, à plusieurs reprises,
et de plusieurs manières. Je disais cela pour que vous puissiez voir que Dieu a un programme. Et que quand nous prêtons bien attention, effectivement, nous voyons comment réagir quand ceux qui sont concernés réagissent après avoir entendu la parole de Dieu, afin que nous comprenions. Il nous fait savoir qu'effectivement, que dans l'ancien temps, vous avez vu les dessins ici, Dieu, notre Seigneur, a parlé à nos pères par les prophètes. Alors ça, c'est quelque chose de tellement, pour moi, ça c'est extraordinaire de pouvoir considérer, voir comment Dieu exprime les choses avec une telle clarté. Parce que dire, expliquer cela ou faire ceci, il n'y a pas expliqué. Puisque l'Écriture nous dit clairement et très bien qu'autrefois et à plusieurs reprises, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et on a vu cela que c'était donc dans l'Ancien. Et c'était la voie par laquelle Dieu avait choisi de parler donc à nos pères. Ah, Dieu soit béni. Et puis, on voit, comme nous l'avons vu la fois passée, si frère, docteur, ne dort pas, réveille-toi, s'il peut nous donner, en fait, l'image. Non, il ne dormait pas, il lisait la Bible. Donc, s'il peut nous donner, effectivement, aussi cela, et puis, bon, vous me suivez ici. Alors, il dit, effectivement, mais Dieu, lui, dans ces derniers temps. Donc, il a bien fait la part des choses, effectivement, l'Écriture fait bien la part des choses, effectivement. Ah! Il y avait une période, effectivement, que Dieu avait eu à pouvoir choisir. C'est important que ça rentre chez vous, en fait, même si vous l'entendez 50 fois. Cette période, effectivement, que Dieu avait choisi. Et il avait trouvé les moyens de parler. Il a trouvé les moyens de parler par les prophètes. C'était par ce moyen-là que le Seigneur a eu à pouvoir exprimer. Alors, parce que vous pouvez voir qu'effectivement, que il met toujours une relation, effectivement, avec les prophètes auxquels il a parlé, effectivement. Et aussi, nous voyons que quelque chose s'est passé, que dans cette période-là, comme Dieu agissait, effectivement, il a donné ce qu'on appelle, effectivement, la loi. Parce que, regardez, dans le livre de Malachie, au chapitre 4, je le redis avec vous ici, Malachie, chapitre 4. Voilà. Regardez. Malachie 4. Hein. Il nous dit ici. Il nous dit ici, écoutez bien. Malachie 4, verset 4. Vous y êtes? Il dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. On nous a dit dans le livre de Jean, chapitre 1. Nous allons les lire probablement avec vous. Hein, si, Jean, chapitre 1. Je crois que c'est cela. Ah bah ouais. Là, voilà, voilà. Voilà. Jean, chapitre 1, verset 17. Vous y êtes? Car la loi a été donnée par Moïse. Voilà. Donc, c'est par Moïse qu'effectivement que Dieu a donné la loi. Alors, Moïse était un prophète de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, si nous regardons dans les Saintes Écritures, et si nous regardons vraiment bien quand Dieu a commencé à pouvoir agir, mais il a agi avec un homme qui s'appelait donc Moïse. Et c'est Moïse était un prophète de Dieu. Dieu a appris au peuple d'Israël comment reconnaître un prophète. Parce que c'est Dieu qui les a instruits. Quand il donne les dons, il explique comment est-ce que ça va être. Littéralement, vous connaissez cela, effectivement. Quand un homme se lèverait, dirait ceci, blablabla, vous connaissez cela. Donc, il a appris, effectivement, au peuple, et que voici, si un prophète s'élève, que moi, j'ai dit qu'il est enseigné par l'Éternel, et que cela s'accomplit, effectivement, qu'on ait la parole, c'est bien moi qui l'ai envoyé. Et puis, il nous a aussi montré aussi par les autres, effectivement, que ce soit Jérémie et tant d'autres, effectivement, aussi, comment est-ce qu'un prophète opère. Donc, c'est Dieu qui a instruit. Donc, le premier de tout cela, effectivement, que nous reconnaissons très bien aussi, grand, hein, c'était Moïse.
Dans Moïse, ce qu'on dit, ben, c'est le législateur. Donc c'est Moïse parce que Dieu dit ici, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Ben, notre prophète, vous vous souvenez, hein? Et puis il dit, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël. Donc c'est là qu'il a reçu effectivement la loi. Et c'est Moïse, effectivement, qui a fait le Seigneur avec les ordonnances. Et c'est à partir de Moïse, effectivement, aussi que oh, les choses ont été établies toujours d'après la loi, d'après cela. Vous connaissez, non? Et c'est comme ça aussi que les tabernacles ont été dressés. Comment est-ce que les choses ont été faites? Parce que c'est toujours dans cette période-là. C'est pour ça que dans les saintes écritures que vous pouvez remarquer, effectivement, que le Seigneur a dit quelque part dans les livres de Luc, je pense, entre Luc chapitre 16, effectivement, je pense, et nous allons le lire avec vous, Luc chapitre 16 à... c'est cela, oui. Luc. Voilà, Luc chapitre 16 et le verset 16. Vous voyez, Luc 16, verset 16. Qu'est-ce qu'on nous dit? La loi, associée toujours aux prophètes, hein? La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à... Donc, vous voyez, effectivement. Donc, tout ceci, effectivement. C'est pas moi qui dis, hein. C'est la Bible qui nous montre cela. Est-ce que vous voyez, vous qui êtes là, vous voyez ça? Parce que je vois que ma soeur a des difficultés pour pouvoir voir, effectivement, ici. Ah, sinon, tu peux changer de place. On peut trouver... vous avez... Ah, ben voilà. Ah, oui, je dois prendre les stylos rouges pour quand même mentionner les choses bien, afin de le voir. Merci. C'est pas un peu bas ici? C'est un peu peut-être, un peu... Bon, voilà, bon, bref. Voilà, c'est bon, c'est pas grave. Alors, ici, vous êtes derrière moi, vous voyez? Oui. Bon, ici, c'est tout près, hein? Voilà. Ici, vous avez donc l'Ancien Testament, donc l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous comprenez? Et là, dans l'Ancienne Alliance, effectivement, ben, on a les prophètes. Donc, Dieu nous a parlé, donc, ici, au Canada, Dieu a parlé à nos pères par... n'est-ce pas vrai? Amen. Vous suivez tous. Amen. C'est nécessaire et important. Donc, à nos pères, par les prophètes. Et si vous remarquez très bien, et la loi aussi, oh, frère Jonas. C'est pas grave, mais si on avait un petit bout de, je sais rien, un petit bout de bâton, pas grave. Alors ici, donc vous voyez que cette période ici, c'est la période de la loi. Donc Moïse étant prophète, et c'est pas Moïse que Dieu a donné la loi. Et c'est comme ça que cette loi a régi en fait toute cette période. C'est Moïse qui a eu un pouvoir au travers de ce qu'il a reçu de Dieu, de pouvoir nous faire savoir comment Dieu, parce que Dieu a dit, mais viens ici, je te montrerai. Vous savez, toujours là, hein, ce que tu dois faire. Et quand tu descendras, tu referas exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Donc, quand il est descendu, effectivement, nous avons eu des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Vous connaissez, non? Donc, dans les tabernacles, effectivement, le service régissait comme cela. Nous avons eu les souverains sacrificateurs, effectivement, les sacrificateurs et tout cela. Tout cela était régi par la loi. Est-ce que vous me suivez? Donc, c'est celle, dans cette période, je veux que chacun de vous ne puisse pas dire, mais je n'ai pas bien compris. J'essaie de parler un langage que Dieu m'aide. Pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, en fait, de ne pas sortir, je n'ai rien saisi. Parce que si vous n'avez rien saisi, c'est très dommage. Alors, je répète encore bien. Donc, dans cette période ici, c'est la Bible, hein? Donc, ça, c'est la période où Dieu parlait à nos pères par les prophètes. Et nous savons que les prophètes, les grands que nous avons, vous connaissez effectivement, c'est Moïse. Et d'ailleurs, vous devez savoir effectivement que les Hébreux, enfin les Israéliens, ils appellent toujours en fait le livre de Moïse l'Ancien Testament. Donc, parce que c'est Moïse qui a écrit cela. Est-ce que vous comprenez? C'est Moïse qui nous a parlé d'Abraham, nous a parlé de la création, parce que Dieu lui parlait, évidemment cela. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, effectivement, ben Dieu a dit à Moïse, monte sur la montagne, effectivement, je vais te montrer quelque chose. Il lui a montré effectivement le tabernacle. Hein? Vous connaissez cela? Alors, il dit, mais quand tu descendras, tu feras exactement, c'est le modèle que tu as vu.
Donc il est descendu, c'est pour ça que même les vêtements de souverain sacrificateur, même le faux de vêtements, tout ça, les pectoraux d'Aaron, toutes ces choses-là, le parfum qui devait fabriquer vêtements pour les souverains sacrificateurs, tout cela, Dieu lui a montré effectivement et qu'il devait arriver à pouvoir faire exactement comme Dieu lui avait montré. Et la loi, c'était la période effectivement de la loi. Est-ce que vous comprenez? Bon, maintenant, dans les Hébreux, on nous dit que... Après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé à nos pères par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps. Ah ben voilà, ça ne sera pas. Alors, vous remarquez très bien que nous avons mis ça ici comme transition, parce que il s'agissait de Jean-Baptiste. Parce que le Seigneur, quand il a envoyé Gabriel pour visiter Zacharie, il lui a dit exactement ce que Jean-Baptiste devait être. Vous connaissez, non? Et puis quand Jean-Baptiste est apparu, effectivement, alors le Seigneur a rendu témoignage de lui, hein, de tous les hommes qui sont nés par des femmes. Il n'a pas apparu de plus grand que... Ah, Jean-Baptiste, là, que vous voyez, plus grand. Alors il dit, mais la loi et les prophètes ont subsisté jusque... Alors, maintenant, après Jean, qu'est-ce qui se passe? Si la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'ici, c'est que vous dites que... Ça, c'était la ligne de démarcation où ça ne pouvait pas passer par là. Amen. Dieu est bon. Donc tout ce qui s'est passé ici ne veut pas passer par là. Alléluia. C'est pas moi qui dis, mais c'est la Bible qui le montre ici, effectivement, là. Il a dit, effectivement, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, tout associé, ont subsisté jusqu'à... Ils n'ont pas dit, on subsistait jusqu'à l'Apocalypse, hein. Non, c'est Jean, là. Parce que vous qui m'écoutez, effectivement, aussi, qui allez écouter, posez-vous la question si vous êtes des croyants, parce que nous, si nous sommes des croyants, nous avons qui? À partir de la Bible. Et c'est lui qui nous a donné le salut, c'est le Seigneur. Et voilà que lui-même, il est dit. Que la loi... Mais quel est donc cet homme qui peut venir changer cela? Il dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusque-là. Donc, pas au-delà. Est-ce que vous auriez d'arranger un peu ce micro, frère, pour que je m'entende bien aussi, parce qu'il semblerait que je suis un peu comme un peu de sourd. Enfin bon, c'est moi qui n'entends pas bien. Je veux que tout le monde dans ce coin-là, dans le coin le plus reculé, même les enfants comprennent. Amen. Mm-hmm. Je répète encore, vous sœurs, vous frères et sœurs, faut pas dire, oh Seigneur, qu'est-ce que vous avez... Non. Maintenant, je veux que s'il faut même parfois qu'il écrit, j'en sais rien, maintenant, mais qu'il veut pas. Bon, je vais arranger, c'est comme ça. Donc, regardez très bien. La loi et les prophètes ont subsisté. Mon frère, je sens. La loi et les prophètes ont subsisté jusque-là. Mais pas par là. Pas par là, parce que là-bas, c'est autre chose. Mais regardez très bien. C'est quelque chose de tellement merveilleux. La Bible nous dit que, mais Dieu, dans ces derniers temps, il nous a parlé donc par le Fils. Est-ce que vous comprenez? Nous l'avons lu avec vous, effectivement, un peu plus loin dans les Hébreux, non? Il dit, mais regardez très bien qu'est-ce qui se passe avec les fils en question. Ça veut dire que si la loi et les prophètes sont arrêtés ici, lorsque le fils est entré en scène, alors il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. Amen. Parce que si le fils était semblable à ceci, il n'allait pas se passer quelque chose de particulier. Non. Parce que tous les prophètes sont partis, effectivement, ont joué les rôles là. Eh bien, s'il vient aussi comme cela, mais il doit jouer le même rôle que là-bas ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, et la loi et tout là-bas aussi la même chose. Donc, cette loi ici devait passer là. Parce que, nous, on sait effectivement que les législateurs, c'est Moïse qui est venu avec la loi ici. Et vous avez remarqué effectivement que la loi est venue, a été donnée effectivement par Moïse. Donc Dieu a donné la loi à Moïse. Donc c'est le Moïse qui a donné la loi. Mais vous avez remarqué plus bas, effectivement, il dit, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc déjà là, on comprend qu'il y a une différence, mon frère.
Donc tout ça est arrêté là. Maintenant, regardez, dans le livre des Hébreux toujours, au chapitre 7. Hébreux au chapitre 7. Regardez. En rapport avec le Fils. Ça. Ancien, de nouveau, en rapport avec le Fils. Alors nous lisons ici. Chapitre 7. Verset 11, il nous dit. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques. Vous connaissez, non? Donc, la loi ici. C'est sur ces sacerdoces qui reposait donc la loi. Parce que c'est par ici, hein, c'est bien à cette oui, c'est bien cet endroit ici, donc cette partie ici, que nous avons pu entendre parler du sacerdoce. Hein, ici, là. N'est-ce pas? Et c'est la loi, donc c'est la parole de Dieu effectivement, qui a établi effectivement aussi des sacrificateurs et des souverains sacrificateurs. Donc, le souverain sacrificateur, il était supérieur. Vous m'entendez? À tous les autres sacrificateurs. Parce que lui, il est le souverain sacrificateur. Et d'après ce que la Bible fait savoir, effectivement, que, eh bien, le premier qui a été établi souverain sacrificateur, sous l'ordre de Dieu, c'était donc Aaron. Amen. Donc, tous ceux qui ont été établis des souverains sacrificateurs ici, là, selon la loi, ont été établis souverains sacrificateurs au-dessus, selon l'ordre d'Aaron, qui était le premier. Donc, celui qui est choisi par la suite, effectivement, il doit suivre le processus, comme Aaron a eu à pouvoir le suivre, le faire, parce que c'est le premier, donc, on doit faire comme Aaron, on l'habillera comme Aaron, on verra comme Aaron. Donc, toute cette processus, toutes les générations, effectivement, dans le service de Dieu, dans tout ce qui doit être fait, effectivement, aussi, doit être fait exactement selon l'ordre d'Aaron. Et aussi, concernant le sacrificateur, ils se vont aussi selon l'ordre d'Aaron. Amen, amen. Quand tout cela était comme cela. Alors, on nous fait savoir qu'effectivement, que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, Dieu a changé sa façon de faire les choses. Est-ce que vous comprenez? Ici, il le faisait avec les prophètes, ainsi de suite, effectivement. Et aussi la base, la loi. C'est pour ça, quand Jésus est entré en scène, du haut des cieux, Dieu ne pouvait pas se retenir. Alléluia. Et puis que l'homme a été qu'il n'a pas parlé comme ça, mon frère. Et là, ces jours-là. Ah non, c'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Là, il a parlé. Il dit, voici mon fils, bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. J'ai plus de demeurer en lui. Hein, de demeurer en lui. Ça, il n'a jamais dit d'un homme. Amen. Et voilà. Alors maintenant, regardons. Parce que nous avons dit effectivement que tout reposait sur la loi. Vous me suivez? Au chapitre 7, verset 11, il dit, mais si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, c'est là qu'on offrait les sacrifices. C'est là qu'il y avait le lieu saint, le lieu très saint, le parvis et tout ça. Vous connaissez, non? Et les sidons, parce que, et même quand on va même au niveau de la loi en soi, Dieu est vraiment sage. Non, il est merveilleux dans sa façon de faire les choses. Qu'est-ce qui, dans le livre des Hébreux, chapitre 10, nous dit, il dit, mais la loi en soi ne pouvait rien amener à la perfection. Donc, vous suivez? Amen. Donc, si la loi ne peut rien amener à la perfection, donc les sacerdoces, même lévitiques, ne peut pas même amener à la perfection. Alléluia. Amen, amen. C'était écrit dans la Bible. Amen. Alors, nous dit, effectivement, donc, est-ce que vous suivez un peu, frère et sœur? La loi et les prophètes ont succès jusqu'à Jean. Est-ce que vous suivez les rapports? Amen. Alors, il dit, mais maintenant, regardez très bien, parce que nous avons parlé. Verset 11, il dit, mais si donc la perfection avait été possible, on dit bien possible,
par les sacerdoces lévitiques. Parce que vous devez bien comprendre effectivement que, dans l'Ancien Testament, selon la loi, sur le principe qui a été établi, ne peut entrer dans le service pour servir Dieu que celui qui est né lévite. En dehors des lévites, personne. Parce que s'il touchait les choses qui sont saintes, la mort frappait. Vous dites, frère, mais oui, Isa, vous l'avez vu, même la bonne volonté qu'il avait, les désirs, la joie de pouvoir dire, je vais aider, faire un bon abat. J'ai dit, non, jamais. Et Isa a été tué sur place. Ah non, c'était régi. C'est pour ça que je vous en supplie, frère, arrêtez vos jeux. Arrêtez de venir ici par complaisance. Il s'agit de votre salut. Vous occupez pas de ce qui va, que frère d'autres vont me poser. Non. C'est de toi que le jugement va tomber. Arrêtez de jouer pour l'amour de Dieu. Vous ne venez pas faire ici pour faire des camaraderies ici. Vous avez besoin d'être un frère parmi les frères, d'être une sœur parmi les sœurs. Savoir que la chose principale, c'est notre relation en Christ. Privilégiez cela, mon frère. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne aux sentiments qui sont donc les sentiments en Christ, dans notre cœur, dans notre âme. C'est important cela. Sinon, vous êtes en train de mourir sans vous rendre compte. C'est comme ça, donc, effectivement, que nous pouvons voir que là, c'était simplement, ce sont donc des fils de Lévi. Vous connaissez donc, dans les fils de Jacob. Il y avait Siméon et tout ça, et puis Lévi. Eh ben, ce sont ceux qui, parce que quand on parle de Lévi, c'est les papas. Et alors, tous ceux qui descendent de Lévi, pas de Siméon, bien qu'ils étaient un fils de Jacob, mais de Siméon, que Dieu bénisse, mais de Lévi. Donc tous ceux qui descendent de Lévi, ce sont ceux-là que Dieu avait choisis pour le service, les tabernacles, ceux qui pouvaient travailler dans le lieu saint, dans le lieu très saint, qui pouvaient rentrer. Amen. Jamais une autre tribu. Amen, amen. Donc, ce qui veut dire à ce moment-là qu'automatiquement, un souverain sacrificateur. Vous voyez, vous savez quand Jochebed, c'est le nom de notre petite nationale. Oui. Jochebed, la maman de Moïse. Vous savez, Dieu ne fait pas de choix par hasard. Moïse, que Dieu avait choisi, était de la tribu de Lévi. Bien sûr que oui. Moïse était un Lévite. Ah, Dieu ne pouvait pas. Non, Dieu est Dieu dans sa façon de faire les choses. C'est pour ça Aaron, son frère, la tribu de Lévi. Dieu ne fait pas d'erreur. Hein. Quand il vous choisit, vous. C'est ah, moi j'ai dit non. Quand il vous choisit, soyez sûr et certain qu'il n'a pas fait d'erreur avec toi. Non. Il sait effectivement qui vous êtes. Malgré vos faiblesses. Il vous connaît mieux que quiconque. Si seulement vous étiez attentif. Vous courez vous donner pour des choses inutiles. Absolument inutiles. Mais vous perdez votre âme. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Ou de gagner toutes les banques, effectivement, ou tous les buildings, effectivement, s'il perdait son âme? Oui, ça c'est vrai. Alors, nous voyons qu'effectivement que ce n'était que ce qui était donc né de la tribu de Lévi. Hein, vous comprenez cela, hein? Alors, ce sont ceux-là, en fait, en réalité, qui devaient donc entrer dans les services. C'est-à-dire que c'était prêt, donc, la parole de Dieu, donc la loi. Donc, pour le tabernacle que Moïse a vu, et qu'il est descendu donc pour pouvoir faire cela, eh bien, dans les tabernacles, il fallait qu'il y ait un service. C'est comme cela que tout devait en fait s'organiser autour de cela. C'est pour ça que vous remarquez très bien que le temple est toujours très important pour le peuple d'Israël. Parce que on nous dit effectivement que c'est là que les services étaient faits par les sacrificateurs. Alors, des sacrificateurs, donc des fils de Lévi qui sont là, des sacrificateurs. Alors, d'eux là, il doit y avoir un souverain. C'est-à-dire que c'est lui qui avait l'huile d'onction supérieure au-dessus de ses autres frères-là. C'est celui qu'on a appelé le souverain sacrificateur. Donc celui-là, c'est celui sur qui se reposait une très grande responsabilité.
Il lui était donc donné d'entrer dans le lieu très saint. Il y avait le lieu très saint, le lieu saint, et puis le parvis. Je vous le connaissez. Alors, les autres sont restés ici, dans le lieu saint ici. Donc, il y avait toujours dans la classe des Lévites, dans la classe des Lévites, donc dans la famille des Lévites, des Kachomites, ainsi de suite, effectivement. Donc, chaque famille des Lévites, Dieu est bon, hein. Amen. Ils avaient une fonction particulière. Cette famille ne pouvait pas faire ça, c'est pour ceci, ceci, c'est cette pour telle, ça, toujours des Lévites, hein. Et je, alors, par exemple, ici, par exemple, je donne un exemple, par exemple, là, c'était la famille, par exemple, toujours les Lévites, mais les Gershomites. Et là, c'était en fait le lieu saint. Et tous ceux qui travaillaient ici, bien qu'étant des Lévites. Et ici, c'est le lieu très saint. Tous ceux qui travaillaient ici ne pouvaient même pas regarder les choses saintes qui sont ici. De peur qu'ils ne meurent, en fait. Même pas le toucher, bien qu'ils soient des Lévites. Mais ici, celle qui pouvait entrer dans ces lieux-là, c'était donc le souverain sacrificateur. Donc, effectivement, que pour même le souverain sacrificateur, les autres sacrificateurs ne pouvaient pas arriver à pouvoir s'habiller comme lui, se parfumer comme lui. Et même lui, l'onction qu'on devait arriver à pouvoir faire, effectivement, pour l'onction, effectivement, même le peuple ne pouvait pas... Non, le parfum, pardon, le parfum. Même le peuple, c'était interdit en fait, parce que c'était spécialement pour la l'onction, effectivement. Et le souverain sacrificateur, il avait un vêtement qui était cousu, effectivement, et que les autres ne pouvaient pas arriver à voir, parce que même sa façon de pouvoir s'habiller, tiare ici, sainteté à l'éternel, ça, les autres ne pouvaient pas le faire. Donc ça, tu faisais ça toi, mais tu étais mort. Donc effectivement, les clochettes, toutes ces choses-là, effectivement, comme il était habillé, parce que ça, c'était une exigence. Pour entrer dans le lieu très saint. Pas pour ici. Lui pouvait traverser là, il n'y avait pas de problème. Ah ben oui, parce que lui pouvait traverser, mais celui-là ne pouvait pas traverser là-bas. Mais lui pouvait même entrer par se traverser parce qu'il est le souverain sacrificateur. Et ça, ça revenait à Aaron. Et ça, ça devait être respecté dans le moindre détail. Et ils savaient tous effectivement que ça, c'est la volonté de Dieu, c'est la loi de Dieu, qui est le sacerdoce. Personne d'autre, d'aucune autre classe, tribu par exemple, ne pouvait arriver à pouvoir entrer là ou faire un service, même ici où nous allons faire un service. Non, 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 c'était les sacrificateurs, donc ils étaient donc des Lévites. C'est pour ça qu'on nous dit que si donc la perfection avait été possible par les sacerdotes lévitiques, donc de la tribu de Lévi. Alors, il dit, car... Si c'était possible, car c'est sur ces sacerdoces, vous y avez, verset 11, hein, répète 11, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Vous comprenez? Amen. Donc, sur ces sacerdoces-là, donc, le principe, comment ça doit fonctionner, comment on doit respecter ça. Donc c'est là que se repose la loi qui a été donnée au peuple. Donc, le souverain sacrificateur avait une place. Et tout le monde le savait, parce que c'est celui qui devait être loin, la bonne manière, effectivement, d'être habillé, mais vraiment, c'est de maintenir des conditions telles qu'on parle pour les autres, parce que les autres, bon, mais lui, c'était différent. Et il devait marcher différemment. Et c'est lui qui devait entrer avec le sang dans le lieu très saint. Pour obtenir quoi? Mais les pardons du peuple. On attendait que le souverain, pas quelqu'un d'autre. Que seul le souverain sacrificateur devait entrer. Alors là, le peuple obtenait le pardon. Vous connaissez, non? Donc, on nous dit, effectivement, que c'est sur ces sacerdoces qu'est-ce qui repose donc la loi donc donnée au peuple. Alors, le verset suivant nous dit, qu'était-il encore besoin? Donc, si, par ces sacerdoces, effectivement, qu'on fait, que Dieu, la loi avait donné, et cela nous amenait, en fait, à la perfection. Si cela le faisait, il dit, mais qu'était-il encore, encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur? Maintenant, pas selon l'ordre d'Aaron. Ah oui, oui, oui. Parce que la loi, il a établi effectivement l'ordre d'Aaron. Mais maintenant, on n'a pas d'autre sacrificateur, effectivement, qui a paru, effectivement, selon l'ordre, pas l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et puis il dit, et non selon l'ordre d'Aaron. Or, effectivement, ici, ça devait être Aaron. Puisque le souverain sacrificateur, il meurt. Quand on le remplace, on les établit selon l'ordre d'Aaron.
pour qu'il devienne souverain sacrificateur, selon cet ordre-là, c'est comment Dieu avait donc demandé que les choses soient faites selon l'ordre. Donc, la loi avait établi ainsi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Bon, maintenant, on nous parle, qu'effectivement, que, mais comment, mais pourquoi y a-t-il un autre ordre, effectivement, que, en dehors, qui n'est pas l'ordre d'Aaron? Et c'est quel ordre, effectivement? On dit, mais selon l'ordre de Melchisedec. Mais comment ça s'est fait et pourquoi, en fait? Alors, nous avons aussi la suite. Verset 12, il dit, car le sacerdoce étant changé, parce que nous avons reçu l'ordre d'Aaron, mais maintenant, on nous parle de l'ordre de Melchisedec. Donc, le sacerdoce étant changé. Or, ici, le sacerdoce a été établi par la loi. Donc, si le sacerdoce est changé, qu'est-ce qui va se passer? La loi change. Mais c'est écrit ici, mon frère. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement, il y a aussi un changement de... Voilà. Ah oui, monsieur. Donc, tout s'est arrêté ici. Et quand on entre là, c'est de nouveau. Ça, c'est important que chacun de vous comprenne. C'est nécessaire, mon frère et ma soeur, pour que vous puissiez comprendre effectivement ce qui se passe effectivement de l'autre côté. Et quelle est son importance jusqu'à ces jours, mon frère. Donc, on nous fait bien comprendre. C'est pas qu'on nous dit, ah, frère, il fait ça, comment ça change. Non. La Bible nous dit bien, très bien, que s'il y a changement, parce que tout ça, c'était par ici. On a dit, la loi et les prophètes. La loi et les prophètes ont subi jusqu'à... Jean. Voilà. Amen. Et donc, et après Jean, il y a, puisque la loi ici s'est arrêtée là, et ben, c'est pas moi, hein. Il y a donc changement de loi. Puisque même nous voyons qu'il y a une introduction dans notre souverain sacrificateur. Qui est non selon l'ordre de Melchisedec, selon la loi ici, mais pas selon l'ordre d'Aaron, selon la loi ici, mais selon l'ordre de Melchisedec. Alors, regardez comment il décrit cela, effectivement. Et qui est donc celui dont on nous parle maintenant qu'il a, il est devenu souverain sacrificateur, selon un autre ordre, en fait. Qui n'est plus selon l'ordre d'Aaron, mais qui est selon l'ordre de Melchisedec. C'est qui donc ces souverains sacrificateurs? Regardez bien. Nous lisons maintenant pour que vous puissiez comprendre. C'est nécessaire que vous compreniez les deux choses. Verset 12, 13, il dit, en effet, c'est lui de qui ces choses sont dites. Écoutez très bien. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Je veux que vous prêtiez attention pour l'amour du Seigneur, frères et sœurs. Il dit, parce qu'il change de loi, non? Oui. Il dit donc, en effet, c'est lui de qui ces choses sont dites, appartient à une autre tribu. Or ici, nous savions que c'était les Lévites, en fait. Donc le souverain sacrificateur, non, Dieu est grand, Amen. Devait être un Lévite, en fait. Oui. S'il n'est pas Lévite, il meurt. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais ici, on nous établit un autre souverain sacrificateur. Amen. Non pas selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Mais de qui est cette personne? Alléluia! Amen. On nous dit, si l'autre on parle là, le nouveau, là, le mec qui s'est fait de l'ordre sacrificateur, il ne vient pas de la tribu des Lévites. Ah! Il vient de notre tribu. Oui. C'est qu'effectivement, il y a un changement des lois. Ah oui, monsieur. C'est évident, madame. C'est évident, monsieur. Même toi, un croyant de la Bible, que tu lis simplement la Bible comme là. Mais tu peux voir ça clairement. Amen. Que c'est vraiment un changement des lois. Amen. Vous n'irez pas à l'IFSC, n'a rien dit. La Bible le dit clairement. Amen. C'est là qu'on voit de quelle semence vous êtes, mon frère et ma soeur. Voilà. Faut même pas chercher plus loin. De quel semence? Mais c'est vrai. C'est sûr et certain. Donc, on nous dit effectivement qu'il est notoire, il est très bien. Hein? En effet, si ces choses sont dites, appartiennent à un autre tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Donc, personne dans cette tribu-là n'a été là, ni sacrificateur, ni même souverain. Alléluia. Amen. Mais on l'a bardé, souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Amen. Alléluia. Oh frère, nous avons beaucoup à apprendre de Dieu.
Oui, mon frère et ma soeur, il faut que vous vous réveillez, frère. Ne restez plus à ce niveau-là. Non, 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 non. On ne peut plus rester là, frère. Il faut monter. Et votre façon de prier doit changer. Oh, frère, que Dieu nous aide, que Dieu nous réveille. Il dit, aucun membre de ces tribus-là, parce que qui pouvait penser déjà, si même ces membres-là entraient dans ces lieux, dans cet endroit ici, mais il était mort. La lieu saint, mais on l'a lapidé, on le tuait, mais c'était biblique, c'était conforme à ce que Dieu avait dit, bien sûr. Mais là, on dit encore clairement, j'aime Dieu. Il dit, mais non, aucun membre n'a jamais fait les services à l'autel. Donc même pas s'approcher pour même faire comme ça. Vous savez, même, vous savez quand on met les bois, vous faites. Vous pouvez même pas. Non. Alléluia. Même pour ramasser les cendres. Non. C'est vrai ce que je vous dis, mon frère. Même pour les cendres, non. Tu rentres là où tu es mort. Dis-tu, frère, oui. Pas les cendres, ce sont les Lévites qui devaient prendre les cendres. Bien sûr, monsieur, c'est la vérité. Vous jouez beaucoup avec les choses de Dieu, mon frère. Vous êtes tellement là, parce que tu n'as pas fait, parce que c'est-il, parce que mon frère. Vous devez comprendre les saints. Vous jouez vous-même avec les saintes écritures. Évoque votre vie à vous. C'est vrai, frère. Oh, que Dieu vous aide. Que Dieu vous aide, frère. Qu'il vous soutienne. Ah oui. J'ai prié pour vous beaucoup, frère, et j'ai prié Dieu. Vous vous rendez pas compte, mais vous serez vraiment, alors sévèrement, avec majuscule, hein, vous, sœurs, vous, frères, vous faites des choses exprès. Vous le savez, frère, sœur. C'est vous qui venez ici prier, la nuit, vous allez dans les boîtes de nuit. Si vous venez prier ici, vous avez ceci et cela. Vous savez cela, vous. Vous savez. Vous savez, frère et sœur, oui, vous savez cela, mais de quel pire châtiment vous allez avoir. C'est bien de pouvoir gonfler vos ventres avec des bouteilles de ceci, des bouteilles de ceci. Ça va vous suivre, mais vous allez le regretter. Ah oui. Vous pensez que Dieu fait un travail inutile? Non, c'est un jugement pour vous. Ah oui. Alors, il dit, alors écoutez bien, notre Dieu, c'est très dit. En effet, vous donnez du temps. Amen. Merci beaucoup. En effet, ceux de qui ces choses sont donc dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait les services de l'autel. Maintenant, il dit, maintenant, j'aime beaucoup cela, parce qu'on doit savoir qui est ce mec, c'est mec. Hein. Ah, c'est souvent la sacrifice qu'on nous a donné ici, là. Et vous suivez? Ah, il est bon. Alors, il dit, car il est notoire, hein, que notre Seigneur est sorti donc de Judas. Pas de Lévi, non, de la tribu de Judas, les lions de la tribu de Judas. Alléluia. Il n'a jamais fait les services dans les temples ici, là, 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 là. Gloire à Dieu, mais ici, là, souverain, sacrificateur, comment? Oh, tu es bon, mon frère. Tu es bon pour les hommes. Vous, frère, vous devez changer votre façon de voir les choses. Que Dieu nous aide. Amen. Ne restez pas, nous avons un message. Nos frères, restez écouter la parole de Dieu. Amen. Ne vous enfermez pas en prison, mon frère. Amen. Que Dieu vous accorde la grâce de voir largement. Amen. Et comprendre que ça, les saluts. Ah oui, il est notoire. Amen. Que notre Seigneur, c'était écrit ici, était bien que est sorti de Judas. Tribu. Verset 14. Dont Moïse. Vous voyez pourquoi je vous dis, gardez toujours la Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, demandez au diacre, frère Rosario, frère Zachée, lisez avec moi, parce que comme ça, vous n'allez pas dire, ah, le pasteur avait dit, hein, je sais pas tellement très bien. Parce qu'il y en a de ceux qui sont instables ici. Quand vous sortez ici, vos amis là que vous connaissez, parce que ici, vous écoutez, vous allez comparer. C'est votre droit. Mais, Je vous dis, frère, si vous êtes de Dieu, vous ne me croirez pas moi, mais vous croirez les saintes écritures. Alors, je vous ai toujours dit, prenez la Bible, lisez avec moi, pour ne pas dire, ah, c'est le frère Léonard qui a dit. Est-ce que vous comprenez? Prenez vos Bibles, lisez, pour que vous ne dites pas, frère Léonard a dit, que vous dites, en tout cas, c'est le Seigneur qui a parlé. Parce que je l'ai lu, s'il vous plaît. Prenez vos Bibles, frère Zachée est là, frère Rosario, d'abord il est tout près de vous là-bas. Si vous demandez la Bible, ils vont vous donner la Bible. Lisez,
Lisez les Écritures. Écoutez très bien, il dit beaucoup. Alors il dit, car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Donc, Moïse, lui, il a parlé, comme on peut dire, Moïse a dit, ah, mais arrivé là. Et la Bible l'a dit, hein. Donc, si on dit Moïse a dit, mais là, c'est vide. Moïse n'a rien dit, il n'a rien dit. Mais s'il n'a rien dit, qu'est-ce qui se passe? Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. C'est pour ça que quand il s'est tenu là, ils ont dit, Moïse a dit oui. De telles femmes, oui. Avec les pierres, oui. Alléluia. Jésus est merveilleusement bon. Oh, je l'aime, mon frère. Si vous ne l'aimez pas, c'est votre droit. Oh, frère et soeur, n'ai pas aimé cet homme de Galilée. Moi, je ne sais pas, moi, qu'est-ce que vous faites sur la terre. D'ailleurs, on a dit, c'est lui qui n'aime pas mon Jésus. Moi, je ne peux pas être ami, hein. Parce qu'on me dit qu'il soit maudit. Moi, je ne marche pas avec les maudits. Non, c'est la vérité, frère, c'est la vérité. Dans 1 Corinthiens 16, 22, ah, c'est lui qui n'aime pas mon Jésus. Donc, les idées de la Bible, là, qu'il soit maudit. Voilà, je ne veux pas être maudit, mon frère. Alors choisissez une autre personne avec qui vous pouvez marcher. Oh, je connais un Jésus l'ami. Alléluia, oh frère, vous pouvez vous moquer de moi, vous pouvez me suivre, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est merveilleux de le connaître, mon frère. Oh, j'ai vécu longtemps, je sais qui il est, frère. Oh oui. Il faut le connaître. Ah. On perd son temps avec des choses inutiles. Vous avez la passion dans ceci, la passion dans cela. Moi, je n'ai plus de passion. Non, c'est moi qui j'ai dit, hein. J'avais la passion à l'époque. Vous savez, oh, là, je vous ai dit ça, je vous dis la vérité, je reviens lire. Ah, quand j'exerce, oh, mon grand, pas tout, quand je travaillais dans mon entreprise, j'étais heureux, je me sentais bien. Oui, c'est la vérité. Je l'ai développé moi-même, je l'ai vu. Elle est là pour vous témoigner. C'était devenu grande entreprise. C'est la vérité, je vous le dis, Dieu me témoigne. Partout, j'ai bien dans les années. Je crois qu'il y a des frères ici qui m'ont connu à cette époque-là. Et si ça avait bien un peu voilà, tout là. J'étais heureux, je sentais que j'ai commencé à zéro. J'avais la passion. C'est à zéro, je vois, ça tournait. L'avion venait, c'était toujours monsieur le faisait. Tout le monde voulait voir qui il faisait en question. J'avais quand même le Seigneur. Ah oui. Mais il est arrivé un moment où il vient, il me dit comme ça, il dit, mais j'étais appelé pour, c'est la vérité, frère et soeur. Je me souviens très bien ce jour-là, j'avais mon aspirateur. Je sortais de mon bureau, jamais je n'oublierai ces jours. Je sortais de mon bureau, j'ai ramassé les tuyaux de mon aspirateur parce que il y avait un endroit où il y avait les tapis, c'était la partie de ma madame qui avait un grand magasin joli là, c'était vraiment très bien. On avait des vitrines vraiment bien en fait. Oui, c'est vrai, à l'époque. Hein? Oui. Oui, joli, parce que c'était vitré avec des vitres comme ça. Et comme il y avait un peu, je voulais que ça soit propre, et je voulais aspirer les tapis. Je m'incline pour ramasser, j'aimais bien mon travail, ramasser mon tuyau hein, pour aspirer. Je sens, waouh, la présence, mais alors la force du Seigneur. Et je m'incline, alors la voix me dit, aussi vrai que Dieu est vivant, il dit, je t'ai appelé pour pouvoir me servir. Tu as abandonné pour l'œuvre pour laquelle j'étais appelé, tu dois donner aux choses du monde de tout ton cœur. Il savait très bien parce qu'il lisait mon cœur. Oh, j'aimais. Ah, c'est la vérité. Dieu m'a témoigné quand je vous dis j'aimais. Parce que j'étais arrivé loin. Oui, loin. Et bateau, avion, etc. Proposition même de pouvoir. C'est la vérité, je ne vous raconte pas pour dire, monsieur, non, tout ça c'est du passé d'ailleurs. Et oui, proposition même pour avoir un avion. J'avais déjà les services de pilote. J'avais même des hôtesses. Moi, ce programme était là. Donc, je pouvais déjà, l'avion pouvait déjà commencer à pouvoir voler l'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, alors, quand. Alors, les choses changent. Alors, oui, c'est parce que souvent, vous voyez, oh, et ce sont comme ça, ce sont comme ça. Dieu a fait quand même des choses dans notre vie.
Mais quand il a vu que ça, je ne peux pas voir la passion. Moi, c'est le patient, c'est lui. Alors, il fallait faire un choix. C'est ce que Dieu, notre Seigneur, vous savez, nous prions que Dieu nous aide. Pour que nous puissions comprendre vraiment l'amour profond de ces dieux à notre. Oui. Le posséder, lui, c'est... D'ailleurs, vous ne pouvez même pas comparer, en fait. Alors, il dit, nous continuons verset 15, il dit, cela devient, verset 15, cela devient plus évident encore quand il apparaît, j'aime Dieu, un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alors là, c'est quand même fort. On nous parle de Melchisédek. Et puis, on nous renvoie dans la Genèse. Mais au chapitre 7, ici, il nous fait savoir qui est donc Melchisédek. Vous me suivez? Il apparaît notre sacrificateur. C'est l'or de Melchisédek. Et il ressemble à la ressemblance de Melchisédek. Melchisédek. Il dit, mais alors, qui est donc ce Melchisédek? Parce que là, on nous a parlé d'Aaron, un homme charnel. Bon, qui est donc ce Melchisédek? Chapitre 7, verset 1, il dit, en effet, c'est Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla en devant d'Abraham, lorsqu'il venait la fête du roi de Bilébéli, et qui a qui Abraham de la dîme de tout, qui est d'abord, c'est Melchisédek, roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Alors on nous dit quelque chose de particulier. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. On nous dit que c'est Melchisédek, hein, qui est comment sans père. Il est sans mère. Et il est sans généalogie. Hein, et qui n'a ni commencement de jour ni de fin de vie. Mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. C'est Melchisédek demain, Seigneur. Ah! Mais Aaron, il pouvait mourir, il avait fait. Oui, bien sûr, Aaron mourait. Mais là, ce Melchisédek n'a pas de père, n'a pas de mère. Sans généalogie, mon frère et ma soeur, qui est-il? C'est le Dieu du ciel. Oh, mon frère et ma soeur, c'est incomparable. Ici, là, frère et soeur. Mais il fallait que tout s'arrête là. Parce que ce qu'elle est en scène, effectivement, c'était autre chose. Là, nous passons, effectivement, aussi des normes ordinaires, extraordinaires et superlatives. Bien sûr, ici, c'est ordinaire parce que c'est un homme, c'est Aaron. Mais là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. L'ordre ici était naturel et puis sans serment. Mais là, oh, les choses sont différentes, mon frère. C'est important que vous le compreniez, madame, mesdemoiselles, messieurs. Vous, frères et sœurs, même prédicateurs à gauche et à droite, c'est absolument nécessaire que vous le compreniez. Parce que vous prêchez l'évangile, effectivement, sans vous rendre compte de quoi vous faites. Qu'est-ce que vous faites, effectivement, quand on est. Non, frère, que Dieu ait pitié. Oh, c'est terriblement triste. Hein. C'est aussi clair comme limpide dans les scènes d'écriture. Nous revenons maintenant. On a lu 7, verset 1 jusqu'à 6, non? Maintenant, nous revenons maintenant au verset 15. Vous venez, non? Ok. Verset 15, il dit, cela devient plus évident encore. Quand il paraît un autre sacrificateur, à la ressemblance, mais qui c'est de qui vous suivez? Institué, non d'après la loi d'une ordonnance charnelle. Vous voyez maintenant? Vous voyez, mon frère? Il doit exactement et obligatoirement qu'il y ait un changement de loi. Changement de loi. La loi, elle est prophète.
Alors nous continuons. Il dit, ainsi est donc d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Alléluia. Maintenant, écoutez bien. Voyez pas, j'ai dit, non, Dieu est grand. Là, c'est la loi charnelle. Là-bas, c'est la puissance. Alléluia. Amen. Ah, et puis, verset 17, car ce témoignage lui est rendu. Rendu à qui ça? À celui dont il n'est pas sorti, descendu les tribus de Lévi, mais les tribus de Judas. Donc, aucun n'a fait maman, enfin, n'a fait des services dans l'hôtel, non. Comprenez-le. Il dit, mais, car il a reçu ce témoignage. Écoutez bien, hein. Car ce témoignage lui est rendu. Hein? Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Tu es sacrificateur pour toujours. Alléluia. Donc pour toujours, selon l'ordre de Amen. Ceux qui étaient sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron, ils mouraient. Amen. Ah ben oui, bien sûr, hein. Ils n'étaient pas toujours. Hein. Ils mouraient, l'autre revenait toujours sur les mains de d'Aaron. Mais là, on le dit, toi, pour toujours. Alléluia. Il n'y a pas de remplaçant. Alléluia. Non, monsieur, il dit, mais pour toujours. Amen. Et à perpétuité. Alléluia. Sacrificateur souverain. Alors, écoutez bien. Il y a ainsi, verset 18, abolition d'une ordonnance antérieure. Amen. Vous voyez cela? Voyez cela? Amen. Oh oui. D'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance. Alléluia. Vous entendez cela? Alléluia. C'est pas moi, hein? Non. À cause de son impuissance, c'est quoi? Et son unité? Voilà. C'est la Bible, frère. N'ayez pas peur. C'est la Bible qui le dit, on croit la Bible. Amen. Gloire à Dieu. Et puis nous continuons. Car la loi n'a rien changé, n'a rien amené à la perfection. Et introduction d'une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Amen. Mais là, ça bien. Et comme cela n'a pas eu lieu sans serment, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, vous savez, non? Sans serment, Jésus, on cite son nom. Alléluia! Oui! Oui, monsieur! Parce qu'il n'est pas la tribu de Lévi, la tribu de Judas. On dit maintenant Jésus. Ah ah! Il dit, il est devenu. Avec serment, par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré. Et il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de qui ça? Alors maintenant écoutez très bien. Son nom devait être cité, monsieur. Alléluia. Oui, monsieur. Maintenant, verset 22, il nous dit, Jésus, Amen. Vous entendez cela? Amen. Et par cela même, hein, par cela même, Jésus, hein, et par cela même, les garants d'une alliance plus excellente. Donc ici, c'était l'ancienne alliance. Là, nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc il est le garant d'une alliance plus excellente. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, regardez. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Amen. Vous devez comprendre. Pourquoi? Parce que la mort les empêchait d'être. Amen. Ah ah. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Qui peut demeurer éternellement? Si ce n'est que Dieu lui-même. Je suis l'éternel. Je suis l'éternel, ton Dieu. C'est lui qui est éternel. Amen. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement. Amen. Écoutez bien. Donc, il possède un sacerdoce qui n'est pas. Parce qu'il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. À qui va-t-il transformer? Parce qu'il est toujours là. Aaron n'était pas permanent. Aaron mourait. On transforme l'autre. Mais lui, il ne mourra jamais. Mon frère et ma soeur, une alliance plus excellente.
mais c'est important que vous compreniez. Parce que nous allons arriver. Regardez, je vais quand même continuer encore un peu plus bien. Il dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Amen. Maintenant, je veux que vous puissiez comprendre ceci, frère. Il dit bien que ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose. Dans l'ancienne alliance, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez remarquer que Dieu a eu, enfin, les Saintes Écritures nous font savoir que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et puis, nous entendons que, aussi que Dieu a paru à Moïse dans le buisson ardent. Vous vous souvenez? Amen. Et Dieu lui parla en disant, je suis le Dieu de ton père. Là, l'autre se sur tes pieds. Vous vous souvenez, non? Amen. Ok. Mais vous pouvez remarquer que dans l'Ancien Testament, on nous dit bien que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Donc, Dieu a eu à pouvoir utiliser la bouche des prophètes pour pouvoir parler. Suivez très bien ce que je vous entends. Maintenant, regardez bien, c'était donc par les prophètes. Et le prophète, entendez donc la voix de Dieu. Comme il dit, ne dis pas que tu es un enfant, tu leur diras ce que je te dirai. Si vous entendez, il entend. Je voudrais que vous puissiez comprendre une chose qui est très importante. Les prophètes, dans l'Ancien Testament, aucun prophète n'a pu voir. On nous a dit qu'il a paru à Moïse, non? Aucun prophète n'a vu Dieu. Je répète encore, aucun prophète n'a vu Dieu. Et je répète encore, aucun prophète n'a entendu la voix de Dieu. Ah, ça bouscule. C'est prie Dieu qui nous aide. Je le répète, pour ceux qui vont encore entendre, que ce soit le prédicateur ou frères et sœurs dans différents endroits qu'on fera passer cette bande ici, je dis, aucun prophète n'a vu Dieu. Et aucun prophète n'a entendu la voix de Dieu. Vous voulez que je répète encore fort? Alors aucun prophète n'a jamais vu Dieu. Et aucun prophète n'a entendu la voix de Dieu. Parce que d'abord, on nous dit que Dieu est esprit. Amen. Mon frère, tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Oui, monsieur. Oui, madame. Et puis, tu ne peux pas voir Dieu. Vous savez, vous lisez dans les Saintes Écritures. Je vais vous montrer quand même des choses que vous puissiez, pour que vous puissiez comprendre parfaitement. On nous dit qu'il habite dans une lumière inaccessible, n'est-ce pas? Alors, quand vous voyez la lumière, c'est la théophanie, c'est-à-dire la forme dans laquelle vous pouvez voir une représentation de Dieu. Théophanie. Quand on dit que Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent, ce n'est pas que de Dieu dont on parle, effectivement, a apparu que Moïse l'a vu. Non, monsieur. Vous voulez que je vous montre? Actes au chapitre 7.
Ah, je vois maintenant beaucoup de frères et mes soeurs de ceci et de cela qui sont toujours là en train de me regarder. Les frères, ils dévient. Les frères commencent à perdre les pédales, comme on dit. Ils commencent. Oui, monsieur. C'est comme ça qu'on a toujours traité les seigneurs. Quand on vient avec la parole de Dieu, c'est ainsi. Le problème, c'est que c'est vous. Parce que vous n'avez pas bien saisi. Je vais vous le montrer dans les scènes d'écriture. Maintenant, vous le croyez? Parce que Moïse est monté sur la montagne de Horeb, effectivement, il était face à face avec Dieu. Vous vous souvenez? Bon, maintenant, je vais vous montrer. Dans Actes au chapitre 7. Au verset, nous pouvons lire, au verset 27, pardon. On parlait de Moïse, il dit au verset 27. Acte 7, verset 27 dit, « Mais c'est lui qui maltraitait son prochain, le repoussant en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous ?» Parlant de Moïse, hein ?« Veux-tu me tuer ?» Acte 7, hein, verset 27. « Veux-tu me tuer comme tu as tué hier l'Égyptien ?» Vous suivez ? Alors, verset 29, il dit, « À cette parole, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian où il engendra deux fils. » Verset 30. 40 ans plus tard, qu'est-ce qu'on nous dit? Un ange lui apparut. Ça, c'est la forme qu'on a eu à pouvoir voir. Dieu, tu ne peux pas le voir. Dieu, c'est comme ça qu'on parle de la théophanie, en fait. Personne parmi tous ces prophètes-là n'a jamais vu Dieu. Alors, vous dites qu'effectivement que, ah, mais Dieu lui a parlé. Vous vous souvenez, non? Oui, écoutez bien. Et 40 ans plus tard, lui apparut au désert de la montagne donc de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. C'est-à-dire un ange. Vous en suivez? Un ange. Lui apparut au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Vous avez comme ça entendu? Maintenant, regardez cela. Vous pouvez le lire effectivement. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner la voix du Seigneur, la voix du Seigneur se fit entendre, « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham. » Donc, en fait, ce n'était pas la voix de Dieu. Maintenant, vous suivez bien. C'est important cela. Donc, Dieu étant en morphe, lorsque, c'est la théophanie si vous voulez bien, lorsque il a utilisé cette forme-là, c'est la voix qu'il a pris de la forme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous suivez? Bon, par exemple, je suis ici devant vous. Vous entendez ma voix. Ça, c'est ma voix, moi. Mais si vous croyez sincèrement, vous dites que c'est la voix de Dieu. Et c'est la vérité, je le connais, je le sais. Mais en fait, c'est ma voix, moi. Mais ce que vous entendez, c'est ma voix. Mais la voix de Dieu, vous ne l'avez pas entendue. Mais Dieu utilise la voix que j'ai. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, on m'aurait, ben, effectivement, si quand il allait devant la face, nous attendons aussi. Verset 36. Acte 7, 36. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte et en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant, écoutez bien, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï. Est-ce que vous voyez? Et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour les donner. Vous entendez? Avec l'ange, effectivement. Donc, c'est ce qu'on nous fait comprendre, effectivement. Ça veut dire que ce qu'ils ont eu à pouvoir avoir comme expérience, parce que même quand on voyait la colonne de feu, c'était en fait cette forme qu'on pouvait voir, effectivement, qui rendait visible. Mais Dieu est toujours un Dieu invisible. Il est l'esprit, en fait. Dieu est esprit, en réalité. Vous me suivez, ma sœur? Vous suivez? Vous saisissez, mon frère? C'est important que vous compreniez. Parce que maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Parce que vous posez beaucoup de questions. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est très important que vous deviez arriver à pouvoir savoir. Prenons dans les livres d'Exode. Je pense que, même si c'est dans le livre des Exodes, effectivement, au chapitre 20,
Parce qu'ils vont courir pour dire, ah, vous savez, dans ceci, il est dit, je vais vous montrer quand même, Exode chapitre 20. Je pense que c'est cela, si le Seigneur nous permet de pouvoir le trouver. Voilà. L'Exode chapitre 20, nous lirons. Vous y êtes? Amen. Vous me suivez? Amen. Vous voyez la Bible? Amen. C'est la Bible qui s'interprète. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester dans les habitudes, mon frère. Nous devons aller plus loin. Amen. Pour que nous puissions avoir la connaissance exacte des choses de Dieu. Verset 18. Tout le peuple, waouh, 14h, tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Ils voyaient les flammes de la montagne fumante. Et à ce spectacle, le peuple tremblait et s'éteignait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Vous voyez déjà? Maintenant nous continuons. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha dans la nuée où était Dieu. N'est-ce pas? Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. » Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Donc effectivement, ça nous montre qu'effectivement que c'est Dieu qui a parlé aussi depuis les cieux. Donc Moïse a pu voir dans la nuée Dieu. Prenons alors dans le livre de la Genèse. Genèse, vous y tenez, ça va? Amen. Vous arrivez à suivre? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Frères et sœurs, vous n'aurez pas de pardon, d'excuses devant Dieu quand vous continuez dans votre idolâtrie en disant, oh, les prophètes ont dit ceci et cela, frère. Dites ce que les saintes écritures disent. Amen. Vous n'allez pas obtenir le pardon en restant dans votre situation. C'est nécessaire que vous entendez ça. Amen. Écoutez bien. Genèse chapitre 22. Verset 7. Alors Isaac parla à Abraham, son père. Il dit, mon père. Et il répondit, mais voici, vous y êtes? Voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Vous suivez? Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dans Exode chapitre 20, vous avez entendu que je vous ai parlé du haut des cieux, n'est-ce pas vrai? Maintenant, nous suivons, verset 9, il dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, vous êtes pas encore arrivé, chapitre 22, verset 9. Vous y êtes? Parce que j'entends les pages qui s'ouvrent encore. Je voudrais que vous y arriviez. Genèse 22, verset 9. Vous y êtes? Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et les mit sur l'autel par-dessus le bois. Vous souvenez? Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il était sincère. Alors, verset 11, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains et que tu n'as pas refusé ma... Ton fils, ton unique. Il dit bien que tu ne m'as pas refusé. Donc c'était bien l'ange, même du haut des cieux, effectivement, même dans Exode 20, effectivement, c'est toujours l'ange de l'Éternel. Et la voix que l'on entend, c'est la voix de l'ange, effectivement. Dieu donc en théophanie. Est-ce qu'il vous suivez? Donc c'est pour ça que vous avez compris que là, ils n'ont pas vu Dieu. Et là, ils n'ont pas entendu Dieu. Ah non, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Vous dites, ah frère, mais est-ce que c'est vrai ce que tu nous dis? Maintenant, nous allons dans le livre de Jean.
Jean chapitre 5. Vous voyez, c'est important que vous me regardiez un peu. Je sais que le temps passe vite. Nous sommes passés maintenant à cette phase-là. Ici, nous avons vu que, effectivement, que ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont vu Dieu, en fait. Dieu est bon. Il est merveilleux. Ah, il est glorieux. Ah là là, il est parfait. Amen. Mais nous sommes maintenant ici. Il faudra que vous m'achetiez quand même quelque chose qui soit vraiment fort. Hein. De la bonne qualité. Parce que ça, c'est chez nous, pas de problème. Je s'ouvre ici en poussant le bouton. Hein. Trouvez-moi vraiment de la bonne qualité. Vous l'avez testé. Comme ça, quand je fais comme ça, vous avez la lumière. Parce que je souffre avec j'ai beau bousiller. Donc, nous sommes là. Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Et dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par... Vous entendez ça? Dieu nous a parlé par... Et dans le livre des Hébreux au chapitre 7 que nous lisions, vous vous êtes rappelé où on s'est arrêté? Vous êtes fatigué? Non. Vous êtes rappelé où vous êtes arrêté, on s'est arrêté? Vous mettez les doigts ici, chapitre 5, et nous revenons dans les Hébreux, afin que vous compreniez les choses clairement, hein, c'est nécessaire. Alors, Hébreux au chapitre 7. Celui qui pouvait se fatiguer, c'est moi qui parle. Hein, ça fait déjà des heures que je suis là, en train de parler debout en plus, hein, comprenez. Vous êtes bien assis, vanté par notre frère Zachée, et moi je suis debout. Donc, oui, merci beaucoup, priez pour moi. Et Dieu te bénisse, ma bien-aimée. Mon désir, c'est que vous puissiez saisir ce que l'Esprit dit aux églises. En fait, que nous ne soyons plus ballottés à... On dit, on est incertain, les prophètes à gauche, on voit les prophètes, on dort les prophètes, on s'est réveillé. Il y en a beaucoup, même s'ils entendent ça, je prie pour que Dieu qu'ils changent. C'est un démon qui est tellement collé aux gens, parce que vous vous réveillez des prophètes. Dans tous les pays, c'est comme si on croit que les félicités des prophètes, on va au ciel. Je ne l'ai pas inventé, c'est bien écrit. Amen. Et là, 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 là. Amen. Alléluia. Amen. Si Dieu pouvait vous révéler, vous changerez de langage. Amen. Prophète, prophète. Mes frères et sœurs, les temps des prophètes ont passé. Hein? Amen. Non, mais c'est la vérité. Amen. Les temps des prophètes est passé. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein? Alors, nous étions arrêtés dans quelle partie de l'Écriture, effectivement, regardez bien. Donc, Hébreux chapitre 7. Vous permettez que je relise encore. C'est beau, hein. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours. Selon l'ordre d'eux, Jésus est par cela même les garants d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui Jésus, parce qu'il demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de lui par de Dieu par lui. Vous entendez cela? S'approche de Dieu par lui. N'est-ce pas vrai? Donc, alors maintenant, nous avons remarqué une chose que ici, ils n'ont pas entendu la voix de Dieu. Ils n'ont même pas vu le Dieu, effectivement. C'est la forme, la théophanie. Comme celui qui est apparu à Abraham. C'était donc la théophanie de Dieu. Donc, c'est-à-dire la forme dans laquelle on peut avoir une représentation. C'est ça. Nous l'avons vu avec vous, non? Parce qu'on nous fait pas de la buisson ardente parce que c'était Dieu qui. Non, c'était l'ange de l'éternel. La forme sur laquelle on peut arriver à pouvoir. Ouais. Et la voix de Dieu, mais c'était cet ange-là qui parlait, en fait, de Dieu. Alors, ici, on nous dit, Jean chapitre 5, verset 36.
Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui des gens. Vous entendez? Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous me suivez? Il dit, vous n'avez jamais entendu quoi? C'est le Seigneur qui dit, hein? Vous n'avez jamais entendu sa voix donc. Et puis il dit, mais vous n'avez point vu ça? Bien sûr que non. Ah, vous direz, mes frères, mais c'est le Seigneur qui les dit. Mais non, regardez ce qui est de particulier, mon frère. Je voudrais rentrer là-dedans, mais je vois que le temps passe. Mais c'est pour que vous rentriez dans votre cœur, dans votre âme, vous puissiez comprendre d'abord si le Seigneur le permet. Regardez très bien. Il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Et vous n'avez jamais vu aussi. C'est ce qu'il nous a dit. C'est ce qu'il a dit. Jamais entendu sa voix. Jamais vu sa face. On n'a pas interprété, on l'a vu. N'est-ce pas vrai? Bon, maintenant, prenons dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Ah. Lisons par à partir du verset 14. Vous y êtes? Et la parole de Dieu, la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Vous comprenez, non? Au commencement était la parole était et la parole était. Aucun prophète n'était. Est-ce que vous comprenez? Vous suivez? Alors maintenant, on nous dit, et verset 14, il dit, mais et la parole a été faite donc et elle habitait parmi nous. Ah, est-ce que vous suivez, frère? Parce que j'aime Dieu, je l'aime beaucoup. Hein. Ah, qui vous donne la révélation. Regardez très bien. Il dit de tous les hommes qui sont nés des femmes. C'est-à-dire que la semence de l'homme en la femme. De tous ces hommes-là, aucun n'a été plus grand que Jean. Jean était le plus grand. C'est merveilleux de pouvoir voir comment Dieu place les choses en fait. Puis on s'est posé la question, on va savoir, mais pourquoi Jean était tellement si important? Je ne sais pas si vous avez compris. Pourquoi Jean était tellement si important? Bon, nous allons répondre après, regardez. Il dit, la parole a été faite chair. Et là, habitait donc parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils engendré, venu. Vous connaissez le nom? Venu du Père. Vous connaissez le nom Fils engendré? Venu du Père. Verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Il était avant moi. Vous voyez comment l'Écriture nous montre clairement. Il était avant moi. Et alors, maintenant il continue, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Maintenant, écoutez les témoignages. Personne n'a jamais vu. Donc quand on dit personne, c'est personne. Donc personne n'a jamais vu Dieu. Et nous l'avons vu d'ailleurs, vous entendez. Maintenant, écoutez très bien maintenant la suite. On nous dit, le Fils, le seul engendré. Le Fils, le seul engendré. Là, n'est-ce pas? J'étais engendré aujourd'hui. Le seul engendré qui est où c'est? Dans les seins du Père et celui qui l'a fait connaître.
Voilà, mon frère. Waouh! Waouh! C'est lui le seul qui l'a fait connaître. Vous n'avez pas bien saisi. Thomas lui a posé la question. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ça, Moïse ne peut pas le dire. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Philippe, et toi, tu ne m'as pas connu. Mais comment peux-tu me dire que montre-nous le Père? Mais c'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. C'est lui qui m'a vu. Il a vu le Père. De tous ces hommes ici, effectivement, personne n'a jamais vu Dieu. Mais le seul Fils, effectivement, qui le connaît. Il dit, c'est moi qui peux vous le faire connaître. Ça, ce n'est plus un ange, non. Non, 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 non. Il n'y a pas d'ange à ce moment-là. Non, 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 non. Il dit, c'est lui qui m'a vu. Mais il a vu le Père. Alléluia. Il dit, mais le Père est en moi, je suis dans le Père. Donc c'est lui qui a vu Jésus. Alors maintenant il a vu Dieu. Mon frère et ma soeur. Gloire à Dieu. Marie a reçu la semence qui est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, mon frère, c'est pour ça que vous entendez dans les Actes chapitre 7, il a dit, il a entendu la voix du Seigneur. Ce n'est pas la voix de Dieu, mais la voix du Seigneur. Oui, mon frère et ma soeur. Aujourd'hui, ce que vous entendez, c'est la voix du Seigneur. Oui. Toi, mon frère, toi, ma soeur, la voix que tu entends, que nous entendons, c'est la voix du Seigneur. En fait, c'est cela ce que vous devez arriver à pouvoir comprendre. Dieu a parlé à nos pères dans ces derniers temps. Dieu nous a parlé par les fils. Différemment à nos pères par les prophètes. Mais dans ces derniers temps, dans ces derniers temps, il nous a parlé par les fils. Et qu'est-ce qu'il a dit du fils? Je souhaiterais que vous puissiez vraiment comprendre, parce que je vais m'arrêter parce que vous fatiguez. Mais qu'est-ce qu'il a dit du fils? Il dit, ton trône, ô Dieu. Il dit, mais c'est le fils qui fait de ses anges des flammes de feu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et puis il dit que les anges de Dieu l'adorent. Alléluia. Donc, ici, là, ce n'est plus un homme. Ici, là, ce n'est pas un autre service. Ici, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même qui fait le service. Regardez une chose. Je veux que vous compreniez d'abord, parce qu'il ne faut pas que vous puissiez dans la possibilité que vous sortez, frère, on ne comprend rien. Non, 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 non. 14h26. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Non. Vous êtes sûr? Parce que ce que vous allez entendre, si vous n'êtes pas, vous êtes fatigué, vous ne saurez pas le porter. Ça serait trop pour vous. Oui, c'est cela en fait. Ça serait trop pour vous. Je voudrais que vous saisissiez la chose. Regardez une chose. Juste, je vais peut-être lire ça, puis je vais vous laisser partir. Vous n'avez jamais que Dieu ait pitié de nous. Vous n'avez jamais remarqué, frère, que dans les Saintes Écritures, dans la Nouvelle Alliance, l'opération des choses est complètement différente par rapport à ici. Nous peut-être continuerons la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais regardez d'abord. Ici, ce sont donc des prophètes. Et là, c'est Dieu lui-même qui a parlé à nos pères. Il a choisi la voie par les prophètes.
qui sont donc les prophètes. N'est-ce pas? On dit Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par... Vous voyez toujours, c'est un mystère de Dieu. Hein? Alors, le Fils, c'est qui en fait? Est-ce que vous comprenez? Amen. Jésus veut dire Yahava Sova. Vous savez, non? Amen. Donc, c'est-à-dire que c'est Dieu lui-même. Parce qu'on nous dit quand même, on l'a montré ici. C'est Dieu lui-même. N'est-ce pas? Alors, comme c'est Dieu lui-même qui est en train de pouvoir agir, sans utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, il n'utilise personne. Là, c'est lui, parce qu'il a dit, mais c'est lui qui m'a vu. Il n'a pas dit qu'il a vu un ange. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes fatigué, vous ne pouvez pas porter en fait. C'est plus profond que vous puissiez imaginer. Parce qu'on devait tenir, on peut même rester ici jusqu'à 17 heures. Vous aimez la parole de Dieu. Amen. Si vous l'aimiez, ce serait un amen puissant. Amen. Mais c'est vrai, frères et sœurs, c'est vrai. Bon, ceux qui doivent partir loin, nos frères, effectivement, vous pouvez partir, frère. Vous entendrez la suite par les bandes audio, peut-être quelque chose comme ça, ou les bandes vidéo. Allez-y, attrapez vos trains aussi. Que Dieu vous bénisse sur le chemin. Mais regardez une chose, je veux que vous puissiez saisir. Oui, frère, parce que je ne veux pas que votre cœur batte. Si vous voulez peut-être qu'on vous aide pour les moyens de transport, à la fin, dites-le moi. Mais si vous voulez rester, pendant un moment, je ne retiendrai pas longtemps. Mais c'est moi que je veux que vous puissiez, à moins que vous aimez rester. Amen. Si vous n'aimez, même vous, sœurs aussi, qui êtes fatiguées là-bas, vous me regardez, je vous en supplie, si vous voulez partir, je ne dirai rien du tout. Je dirai seulement que Dieu vous bénisse, et que ceux qui veulent rester un peu, qu'ils restent. Amen. Mais si vous restez, Dieu voit vos cœurs. Amen. Acceptez de pouvoir écouter. Amen. Alors, vous allez rester. Amen. Vous voulez rester. Amen. Alors, là, il n'a pas choisi d'intermédiaire. On dit, nous sommes dans son Fils. C'est lui le Dieu véritable. 1 Jean 5. Et la vie éternelle. Le Fils, là. Le Fils, c'est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Donc, Dieu du ciel. Il a voulu jouer lui-même le rôle, venir. Amen. Pas par l'intermédiaire d'un prophète. Non, par l'intermédiaire de Dieu, prophète lui-même, parce qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et c'est lui à qui le Fils veut. Vous voyez, frère, il y a beaucoup. Hein. Vous pouvez écouter, mais il faut que Dieu vous accorde la grâce. Amen. De pouvoir tenir. Mais regardez maintenant ici. Parce que c'est Dieu lui-même, il n'a pas d'intermédiaire. Vous suivez? Alors, quand il vient, il établit lui-même maintenant le mode de fonctionnement de quoi? Parce qu'ici, les services étaient faits pour les tabernacles. Et ici, il dit lui, ici j'ai demandé à Moïse, hein, pour pouvoir le faire. Mais ici, il dit, je bâtirai. Pas d'intermédiaire. Ici, oui. Il dit, mais là, je bâtirai mon église. Donc c'est Dieu maintenant qui est en action. Je vais m'arrêter peut-être là, frère, parce que je peux aller plus loin, mais regardez bien. Mais alors, comment pouvez-vous référer à un nom? Parce que c'est Dieu qui fait son travail ici. Maintenant, il faut maintenant comprendre, maintenant, quand ce Dieu est entré en scène lui-même, il a établi lui-même ses règles de fonctionnement. De la même manière qu'ici, il y avait des Lévites. Et là aussi, il y a des ministères que Dieu lui-même a établis. Comment cela fonctionne? Aïe. Vous voyez que c'est bon d'aimer Jésus. De s'asseoir comme ça, mon frère. D'entrer dans les Écritures, mon frère.
que de faire sortir ce Jésus que vous ne connaissez pas tellement très bien, mais il est le plus beau parmi les milliers, mon frère. Frère, il est le superlatif, donc l'excellent de l'excellent. Il y a une soeur qui m'a parlé, effectivement, en disant, parce qu'il m'a dit, je voulais quand même savoir, c'est notre soeur, j'ai commencé à dire, mais maintenant, on fait ça parce qu'on nous a instruit qu'il y avait le prophète majeur, et puis il y a l'autre qui est le mineur, effectivement. Montre-moi où le prophète majeur est ici dans le Nouveau Testament. Non, parce que moi, je n'ai pas expliqué, mais vous-même, mon père, ah, le prophète majeur, donc vous dites, je ne critique rien, mais je vous montre seulement ici. On a posé la question à Jean, es-tu le prophète? Non. Parce qu'ici, on l'appelle le fils de l'homme. Donc le fils de l'homme avec les grands L, hein, avec les grands F, hein, ça veut dire le prophète, non? Donc lui, on nous fait savoir aussi que, pour que vous puissiez voir, mon frère, on ne peut pas, non, non. Ici, là, les choses ont changé. Parce que là, on dit qu'il est le souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et lui, c'est Dieu, là, c'est Jésus, effectivement. Vous savez où est-ce qu'on l'a placé? Vous me permettez encore un peu? Amen. Retournons dans Hébreux chapitre 7. Regardez où on l'a placé, frère. Regardez où on l'a placé. Et puis, je vous laisse partir. Hein? Je vous laisse partir. Regardez au chapitre 7, frère. Bon, alors, parce qu'il y en a de vos frères et sœurs qui en sont en train de nous ennuyer. Ils vont partir. Bon, c'est pour ça que je vais les laisser partir. Je ne vais pas avoir de problème. Regardez bien, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Regardez bien. Et voilà. Verset 25. Vous voyez là où on l'a placé. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Mais pas mourir, il est éternel. Il joue son rôle. En fait, Jésus est en tout, hein, intermédiaire de lui-même. Oui, intercesseur, il fait tout pour toi, lui seul. Alléluia, gloire à lui. Que son nom soit béni. Voilà pourquoi il doit être connu, mon frère. À gauche, c'est lui. À droite, c'est lui. Devant, c'est lui. Derrière, c'est lui. Il nous entoure, mon frère. Alléluia. Oui, monsieur. Oui, madame. Oh, que son Saint-Nom soit vraiment glorifié. Regardez comment on parle de lui ici. Il dit, oui. Et oh, j'aime cela quand on arrive là, 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 là. Ah, ça donne envie de sauter, monsieur. Le verset 26, il dit, il nous convenait à nous, en effet, il dit ceci, d'avoir un tel souverain sacrificateur. Pourquoi, monsieur? Comme lui, en fait, étant saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs. Maintenant, écoutez très bien. Quel niveau on lui a donné? Plus élevé que où c'est? Les cieux, monsieur. Alléluia. Qui peut le comparer? Quel est le prophète qu'on peut comparer? Non, il n'y a pas de majeur ici. Il est le seul superlatif, monsieur. Non, ne me parlez pas d'un prophète majeur là. Le seul qui est même au-dessus de majeur, c'est lui. Allez, parlez-moi de Jésus, monsieur. Oui, de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait. Et aujourd'hui encore, oui, monsieur. Parce que quand je regardais, là, comme les sept chandeliers étaient, effectivement, on n'a pas vu une autre personne. On a vu le fils d'homme Jésus lui-même marchant, il y a les sept chandeliers d'or. Alléluia. Où est l'autre prophète là? Il n'y en a pas. Ah. Je voudrais tant rester jusque même demain. C'est tellement merveilleux. Oh. Glorieux. Lève-nous, nous allons prier.